na kubanda kupesi tika ti boy kumishaji esi zinoko izali asida ya tavar italinga ite ti ivande nini te manuko na ma azaka sina na college asala asida afuta na kana sensa sensa sutopa ulubi sensa Beta pour. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon taille dans le pivot de sa malade, il n'y a pas de chef. Oh, papa. Yom tout le bien. Ngam, yom tout le bien. Monsieur, mais yon a dit ça qui est pour notre absence due dans la maladie professionnelle au bangélo comme au terre. Vous comprenez ou pas? Yosa fonctionnaire de l'État, que tu as droit aux prestations des risques. Oh, allez, bon matin, tout le monde. Papa, il y a une autre conseil à la Yaku. Oh, ah, bon matin. Oh. Voilà, donc désormais, il y a un public à l'État où vous allez assujettir la Saint-Sap, dire vous avez en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence Yasensa, dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tombé au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque? Risque Zali, maladie professionnelle. Donc, Bokono Oyo, Ozuina Nzela Moussalanaï. Et accident de travail, Ezali, l'ikama oye ozu na moussala, ton nanzela moussala. Yango anande babengi et risque professionnel. Ah! Ka! Na Kongo oye! Ba koumi kou foute risque! Ah! Fonctionnaire ya l'état ya lelo, na Kongo azali sous moutama wate. Yo par exemple, na déclara yo déjà dans le délai. Voilà! Donc, pour na boulamou ya ba, agent public de l'état, n'enge vos aliyawa. Tata Mokonzi à l'école, Fati Béton, Nanzela ya Sensa. Donc, en cas d'accident de travail, donc maladie professionnelle, non seulement bako futa yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente, topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de ba frais funéraire, mbé rente des survivants. Maman Nankai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État, ce qui osa la mission de service topé mutation, ce qui les kama et quoi liokuna, eh bien, ils ont considéré le coup l'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, pas qu'on fout d'ailleurs. Ayuna, nga mou kongwele banga kala. Gola mou fana nekize l'ibaye. Nasa dede na korezi à l'État. Nga koutou, ma gono bate. Chef, pourquoi vous foutez les gagata si col? Mais il y a le bateau qui n'a pas l'envie. Oh! Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la CESAP, tous solidaires, tous bénéficiaires! Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra-moderne disponible en permanence 24h sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalate. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99. 081 600 8000. Hôtel Saphir. Beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Nous vous disons merci et bienvenue na Katia Bosolo na politique officielle ya mokolo ya lelo mardi 12 septembre 2023 et payo api to kabola penza makanisi par rapport ya ba sujet oyo to retenir na Katia plateau na biso na bande ko na biso lelo to sola na bango mai matali arrestation ya l'un de journaliste Stani Boujakira wazaki penza wazaki deja kutu attendu audition
audition na les cas qui mikolo alaki mikolo misato et c'est quoi puis avant audition na les cas qui mikolo à lobby pe na pokwa mwalamboka mupandi sango stani bujakira akendaki na ngambo ya prison centrale ya makala bandiko twali na bona kati ya plateau na biso ba kopesa vraiment makanisi na bango surtout ke bazali ba ancien journaliste ba kopesa makanisi na bango na kati ya plateau na biso to kosola pe mai matali maponomi le processus électoral en cours nous sommes à quelques mois ya maponomi na kati ya mboka na biso bandeko ba kopesa makanisi na bango par rapport na yango likambo ya football. C'est vrai, la RDC a vaincu le Soudan. Bato banso ba sepela ki na kati ya mboka na biso. Moto nyonso ba sepela ki parce que sport likambo ya ndembo et ali likambo yo équipe opposition te équipe pe majorité te moto nyonso aki na esengo. Mais juste après le match situation et qui vraiment ko beba nous avons vu bato penza lolenge situation et beba ki na kati ya stade de martyr likamboali ya makasi boko mona déjà kout na ba image to sola yango na bandeko bazali na tozali na bango awa stade ba buki biloko mosusu to sola bango na kati ya plateau na biso surtout ke biso nyonso toyebi ke stade tozali ezali homologuete to sola la bango na kati ya plateau na biso ma ezali mwa ebele ya ko solola live ya TikTok ko ezali ko tambola bisika banso likambo penza ya ba kidnapper oyo ba uta ko sambisa dernièrement par le ministre ya intérieur na ba zuzi nyonso bazala ki wana mais live ebimito ko mona l'un des kidnapper akoloba na kati ya boloko azwi pengonga ebele mutune ali téléphone et a ka permis na kati ya boloko to ya la ka permité azwi ngonga ebele pona kozwa pe temps ya ko cité bato ya koloba ete ye azalaki na eloko ate kasi batinda ki ye to kosolola na kati ya plateau na biso na bandeko mi baloto ali na bango na kati ya plateau ya mokolo ali nous allons d'abord prendre les informations du jour. Loi là-bas, 7 en civique dont des vendeurs et consommateurs de drogue présentés à Fungurume, Grand Lac. Lutte contre l'exploitation illégale de l'or, Kinshasa accueillera un forum pour la mise en œuvre d'une stratégie commune de suivi. Une délégation de journalistes sollicite l'implication du ministre de Médias, Patrick Muyaya, pour la libération de Stani Bujakira. Gratuité de la maternité, Félix-Antoine Tshisekedi instruit Sama Lukonde de prendre un décret mettant en place le service national d'achat des médicaments. Kasaï Central, la Loucha dans la rue pour exiger la desserte en eau potable à Kananga. Nord Kivu, la Monisco outille plus de 1700 policiers sur la sécurisation du processus électoral. Kinshasa, les propriétaires de véhicules abandonnés sur la voie publique sommés par la police. Et enfin, Kasaï Oriental, la police nationale congolaise démantèle un réseau de présumés criminels dont un repris de justice à Mbujimayi. Voilà tout pour les informations du jour. Vous nous suivez partout. Nous sommes en direct sur Facebook. Vous allez en direct sur TNT. Vous allez en direct. Vous nous suivez sur Canal Plus. Bandeko Balandi. Topesi bino mbote si ko bozali. Bino baibo kolanda biso na ba province nyonso ya Katia République démocratique du Congo. Mbote na bino pa ibozali. Bana nyonso ya ville ya Kinshasa. Ba commune nyonso ezali na Katia Kinshasa. Topesi bino mbote mingi, to ebisi bino peke, to lingi bino mingi. Raison pour laquelle to zalara toujours wana pona ko servir bino na ngonga oyo e sengeli. Yang wana bandeko balandi, na ali na bana mboka na e mibale na kati ya plateau na ngai, to ali nandeko Niko Fayo Mbikai. Niko Fayo Mbikai, analyste politique et un ancien journaliste indépendant. Voilà, Niko Fayo, bienvenue. Au Pandi Sango. Merci beaucoup, estimé Mamelo, la PCP est ma beauté, la PCP va téléspectateur Union sur la solo en beauté, au Zawana, Congo, Kaka Congo. La colonie Bélé, et vos pères vont tenter, si vous me le permettez, de ne pas attaquer à la maman. Ma table est en arrêté. Vous en arrêtez. Rappelle toujours. Le peuple va y aller tout de suite dans 98 jours.
Il y a 1800 quelques jours, tu commina 98 jours, c'est-à-dire ce que les arénaux, c'est le gouvernement, c'est le bilan 100 jours, c'est que non, c'est le bilan 98 jours. Mais pour faire un mandat, tu as 133 jours. Moto na moto a sa la part oyaye. 107 jours, banda mon amboka Salomo Kalonda Escadela. Ba kanga kiye, nandenge to mone la kiwana, na aéroport, webi système à régime, ezaka ou chisakanyo, ou lingo mata aéroport, pike papembe ye et lokotiyo. Mais qu'est-ce qu'on avait pensé? Tout le monde peut être arrêté. Mais on avait pensé que de la manière dont on avait arrêté Salomo Kalonda Escadela, un père de famille, responsable, dont la fuite n'était pas grande, avait été cueilli au pied de l'avion en enjambant la procédure. Il y a convocation, mandat de comparution. Oui, l'OPJ ou bien le magistrat peut arrêter dans ces conditions-là. Mais quand est-ce qu'on peut arrêter dans ces conditions-là? À condition que, primo, fuite à Moutouane est à la craindre. Deuxièmement, la résidence n'était pas connue. Mais par rapport à Moutabongo. Alors, comment expliquer que infraction au ya revolver au Balobaki, le ministre qui avait arrêté, qui avait accepté de faire fixer l'affaire devant le tribunal du Torah, et que le même ministère public, devant le du Torah, devant le juge, a remise il y a plus d'un mois. Pour éviter en matière pénale, et elle va procéder, moi, il faut qu'il y ait pour que la personne soit fixée sur son sort. Le ministère public accepte de faire fixer l'affaire et devant le tribunal, il abandonne la première charge, il y a revolver. Et on renvoie à un mois. Or, la personne, si vous lisez la Constitution, est-ce qu'avec ce régime, faut-il encore lire la Constitution? Si vous lisez l'article 19, deuxième alinéa dispose, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Et aujourd'hui, on apprend selon certaines indications que lui-même serait malade. Maladie. Et pourquoi on empêche qu'une personne soit traité par le médecin de son choix. Comment expliquer avec ce régime, la détention est devenue la règle, la liberté est devenue l'exception. Pourquoi? ...468 jours... Banda Bounanga Nabiso et Kenda. 173 jours, banda bana quartier Kama Singainga Babukela Bango Bandaku, même en aspect dans quartier Plaza communément appelé Canada. 868 jours, banda Michel Akoma Mokonja gouvernement na Congo Kinshasa. Voilà, merci beaucoup Nico Fayo Mbika et toi lipé na mwana mboka Emmanuel Chibambe wazali cadre Nakatia UDPS, bienvenue Emmanuel. Merci Mingi Mamelo, merci Nandengo Bengisinga na émission, na Pesio Mbote, na Pesipe Ndeko Niko Mbote, pe ba Kongole Nyonso, Mbote Bazeko la Nation Nangongao, na Lingaki, na Monyo présenté Nico Fay comme ancien journaliste. Ancien journaliste. Non, non, celui qui l'a dit. Même moi avec Emmanuel, hein, sauf qu'il y a Bossani, allons-y. Papa, tiens, même moi aussi avec vous. Nico Fay comme ancien journaliste. Il est analyste politique aujourd'hui. Na boité akokoma même DG mais au présenter comme ancien journaliste. Et ça yangote. Allons-y. Alors, ngai pe nazali ancien journaliste. Oui. Mais ko za ancien journaliste et ngelo baité que faut au bout il sa vertu, surtout ba rudimentaire. Il y a notion journalisme. Tout à l'heure Nico Fay échappé au prochainement sauf qu'il y a une émission, ma bénédiction une émission, qu'au présentaka, qu'au débatteur, noté avant que le présentateur a présenté, n'a monio présenté, avant même que ma mère l'a présenté. Passons à l'essentiel. Bablo, au moins, rudimentaire, il ne faut pas au bout de ça. Donc, il faut les avoir. Mais le moment des essentiels, où le rappel est essentiel. Et puis, n'a pas congolais, et l'eau, comme moi,
Moi, je suis en train de me poser la question, l'intellect congolais et qui est wapi. Tu comprends qu'on perd même ma lettre de noblesse dans le soba congolais. Pour la raison, il y a peut-être ta café, tasse, il y a mille qui, au mille, mille, langue, même les lettres de noblesse, nous le perdons. Mais nous sommes dans quel pays? Lorsqu'on interpelle quelqu'un et commis drame, je me pose la question. Niko fa le régime ou ya, régime na bango l'année passée. On n'interpellait pas les gens. Il y avait pas d'arrestation. Régime na bango, il y a régime passé, il y a Niko fa, place il y a Niko appartenir. Bah, on est qu'on a batouté. Bah, on est qu'on a interpellé batouté. À l'obi, on a plata bossolo que Niko Salomon Escadel a été pioché au pied de l'avion. C'est une fausseté, messieurs. Nous sommes pas encore dans le débat. Je suis obligé de rétablir la vérité. Nous sommes pas dans le débat. Batoyoki. Batoyoki. Il faut tout de suite. Il faut tout de suite. Monsieur Salomon Escadela, Aza Congolais, le roi de la Congolais Nyonson. Abana Gosa, la formalité n'a pas d'usage. Comme Yopende Nouvoajaka, Ningaipen Avoyande, tous les Congolais Voyajaka. Place à nous, la formalité n'a pas place et service interpellé qui est. A Koumagi, même pas dans la salle d'attente. Oloko se va congolais na pied a komagi même pas na salle d'attente car la place ba démarche bandara c'est là où les services ba interpeller qui koko se va congolais qui na pied d'avion. Ça c'est une fausseté. Alors c'est de cette manière vous êtes votré ya ko ko terni image. Sachez-le bien, dans tout pays du monde, même aux États-Unis, ba interpellera ba tout. Tout le monde est justiciable. Il n'y a pas un super Congolais, tout le monde est exonéré par la loi. Je pense que Nakata débat. Voilà, merci beaucoup. Nous allons demander à la technique parce que il faut toujours déjà sujet par rapport il y a arrestation, il y a l'un et à bah, journaliste Mopandi Sango Stani Bouja Kira. Nous allons prendre d'abord cet élément où il y a plus vraiment une délégation de la corporation de journalistes congolais ont rencontré les ministres de médias dans son cabinet. Leurs échanges ont tourné autour de l'interpellation du journaliste congolais Stani Bouja Kira. Ce qui a été conclu, bon, disons, nous sommes la corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stani Bouja Kira. Donc nous sommes d'abord venus dire au ministre de la Communication et des Médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stani Bouja Kira puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très, très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stani Bouja Kira recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stani puisse comparaître un homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre un homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Nous avons demandé que les lois de la République soient respectées par tous les services de la République. Et donc, tous les services de la République sont soumis à la loi. Nous, en tant que professionnels des médias, nous, en tant qu'organisation professionnelle de droit, professionnelle des journalistes, nous tenons absolument à ce que ce principe constitutionnel de la liberté de la presse, le droit d'informer, soit à tout prix. Voilà, merci beaucoup à la technique Emmanuel Chibambe, un ancien de l'IFASIC. Vous avez quand même exercé le métier. Toti Kulanda, Bisonyoso, Israël, Moutala, Openza, a conduisé qui délégation à ma journaliste. Nous avons d'ailleurs vu Willy Kalenga et Nakatia délégation. Nous avons vu les coordonnateurs et à Ouragan, Nakatia délégation. Et la présidente de l'ICOFEM parmi les femmes, Nakatia. J'ai oublié le nom, j'ai recommandé. Nakatia délégation, Mwalamboka, Moutala a bien dit, la liberté de la presse, c'est un droit
constitutionnel. Nini basali ko reproché aujourd'hui et pas ya Stani Boujakira parce que les dernières nouvelles les aki Stani azali déjà na kati ya boloko. Na makala s'il faut dire. Bon, Mamelo, merci pour la parole. Liberté à presse, ezali droit constitutionnel. Ici, je me trouve dans le cadre de sa peau en un journaliste, parce que voilà, on a profession en aïe. Même si on a pratiqué en haute pour des raisons X, Y, mais on a ça la droite, on a ça la médecine, on a ça la science de l'information et de la communication, ou de l'oïsalique, et ça la profession en aïe. Il facile qu'il y a aujourd'hui 50 ans. Voilà, 50 ans. La meilleure institution d'ailleurs en journalisme au Congo et en Afrique centrale. Mamelo, et loko moko na zali koloba. D'abord, avant na komana lobana loko ngaipe loko la na yoki Israël mutala na ba master bien la moni place wana na zali ko senga ba prescrit nyonso Israël a senga na ministre et la respecter. Je pense que sur ce point il y a pas à transiger. Il faut ils la respecter. Ça veut dire que le droit de la presse nyonso tout bleu nyonso na ils la vraiment respecté. Mais inversement na rolinga pena loba oyebi biso ba journaliste peut oza na ba ba devoir na biso bon na milongo la nanu ponga na sosuté toza pe na ba oyo eza ba prescrit na biso photo duka to respecter ngana ebi dossier yango bien bien té ya ndeko ya ndeko Stani ndeko na ebi dossier yango bien bien penaté mais to lo baga to lo bien OK justement to lo baga ndenge ka tozo qui n'a pas été signé to lo baga ndenge ezaleli représente jeune afrique non mais écoutez asogi ngai na sali papier na nga n'a signé été na souka. Et ça peut faute grave dans journalisme. Qui a écrit le papier? Justement, on a le bangai batangi sangai quand j'écris mon papier, quand je fais mon papier, dans ça l'article nanga, na souka faut na signer. Alors, ceux qui peuvent pas signer, ceux qui peuvent pas signer, il faut te pourquoi on doit signer là. Là aussi il y a aussi un problème. Il faut te pas velléité wana pourquoi avoir fait un article et à la fin au signer. Nous devons savoir pourquoi. Le motif, raison, il y a nos signatures, il y a article là, et c'est là qu'il dit, qu'est-ce qui est caché derrière? Moi, j'en suis pas là. Je pense que les services, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai lu, Nathalie, moi, rapport le journaliste garde toujours sa source, hein. Là, le journaliste garde sa source, il ne brûle jamais sa source. Ou on a des principes mots sacro saints. Je sais que, ceux qui m'ont, pété information, si ça dérange, à côté, la source n'a été. Il ne peut pas brûler sa source. Mais, on nous a appris en journalisme. Oh, j'ai dit, Nando Martelé, on nous a appris en journalisme. Les mêmes professeurs, Batangi Sabastani, ou Batangi Sabastani, Jean-Ric Oumande, d'ailleurs, Jean-Ric Oumande, dans la promotion, d'ailleurs, pour votre information, ce sont les mêmes professeurs, ou Batangi Sangai, ou Batangi Sabakulutu, Bouli Kalengai, et les autres. Les mêmes professeurs. Bayebi Sangai, dans l'université, que, parmi ma vertu à journaliste, il ne faut pas manquer l'objectivité. Je ne parle pas de la neutralité. Pour un moment, la neutralité. Moi, je parle de l'objectivité. Il faut être objectif. Ça veut dire que, tant qu'on a Emmanuel, là, qui a fait le reportage, on a fait le collecte, on a un traitement, on a une information. Il faut aller à la maison, on a fait le on a fait le wana. Je ferai mon papier par rapport à ce qui est la situation pour informer Batu. Le roi a dit que je suis mon article et pour ma mère, je n'ai pas information dans la rédaction, je suis contre ma mère. Ça, j'ai manqué de l'objectivité. Donc, ça peut retourner contre moi. Ngai na tangi moi dossier moi mukie même si je n'ai pas vraiment connaissance de ni sauté na moni moi ni yango il semblerait que basé qu'on reprochait des connaissances cette année Boujakira pour propagation je dis bien il semblerait na boy batoi le bakengam na lobby il semblerait c'est le document que moi j'ai à ma position il semblerait des connaissances cette année il lui reprochait de propagation de fausses informations wana ils allaient mbeba. Wana ezali mbeba maître au batangi sabiso na ifasi batangi sana yestani na ifasi baba na ko benda biso matoi na propagation de fausses informations place nga ezali ko banga sikoyo yango wana. Donc en train de juger, j'ai bien dit que je soutiens le camarade, je suis d'avis, je suis de cœur avec lui, mais je pense que le camarade Stani va prescrire au attendre on a ifasi a ko bunga yango te.
Ce qui a quoi il y a le logo avec une propagation de fausses informations, là ça ne pardonne pas. Un journaliste peut être suivi par rapport à ce qu'il a dit. C'était d'abord un journaliste. Répond à la question. Exact question, oui ou non, ou bien il faut en développer. Répond à la question. Mais je suis en train de lui répondre à la question. Il faut d'abord savoir qu'un journaliste, c'est un citoyen congolais. Ce n'est pas un citoyen super congolais. Il est congolais d'abord au départ. Ça veut dire, il est justiciable. Il est justiciable. Il n'est pas exonéré par la loi. On est l'orafoto et Barambiso Nyonso. Un journaliste, c'est quelqu'un de justiciable comme vous et moi et d'autres personnes. Il n'est pas exonéré par la loi. Ça veut dire, ceux qui disent, par exemple, qui va venir au journaliste, c'est Moroboui, il place Moroboui. C'est un cas de flagrance pour Kangaï. Et ça, parce que la journée, s'il a le droit, il y a beaucoup à Mibéko. Mais il y a aussi, et ça, il y a quatre, il y a exercice, il y a fonction, il y a un des, moi, il y a des libres, et l'andamara pour qu'il balanda, si vraiment l'infraction a été consommée ou pas. Mais lorsque vous commettez une infraction de droit commun, vous n'êtes pas exonéré par la loi. Ça, il faut que je me fasse comprendre, il faut que nous soyons clairs. Lorsque vous commettez une infraction de droit commun, en tout cas, vous serez interpellé. Alors, pour ainsi dire ça, dans le Mbamarambia, on va reprocher, même si je n'ai pas toutes les preuves possibles, il faut que vous ayez l'article, la jeune Afrique, la prochaine de Konabiso, la prochaine de Konabiso. Ma guerre des côtés entre ANR, Nademi, il n'y a pas de comprendre. Justement, parce que Bazo Lourasiko, les documents, pas confronté ma source, justement. Les documents proviennent d'où? Voilà. C'est que Stani a utilisé la source. Même RFI a reproduit. Même France 24 a pu reposer Blokouana. On m'a dit que, quand les médias ont miné les PC informations, ils ont ma casse. Les gens risquent de prendre toutes ces informations et bah consommer en haut. Or, ça peut désorienter Makamwebele, non seulement poursuite judiciaire, poursuite nani enquête judiciaire, ça n'a pas pour aller ouais à député Okende. Et puis même là bah membre ya famille à Chérubin Okende. Au ce moment, oh bon, parce que c'est là que la lumière soit faite na liwende qu'on a bon ya oh ya bon à Koufi, mais base de fausses informations, là, ça devient vraiment très dangereux. Alors, moi, ici, je n'aimerais pas que Batbak ne comprenne très mal. Moi, je suis resté dans le fait et dans le principe du journalisme. Vous comprenez? Place au Ngaï, na Moni, Ezali, moi, Mbeba Moukie, Lelo, nous avons incriminé Bandegote. Lelo, au Pekouma, Moutou, journaliste, Babingé, na téléphone, a eu information, car on a eu sans vous ça là. Investigation, Mbalamoko a commis, pour a publié. Et là, qu'on a dit, tous les coups pégisé en haut, bien, on va te dire, il y a profession, pour le vraiment pour combattre en haut, pour essayer là. Parce que, là, qu'on a dit, ils avaient entraîné, ni en sauve de au monde à l'arrestation, parce que l'État l'a embarraté. L'État a besoin de 10 000, sauf dans la carte, il y a un bébé à Kokanabina, on l'a embatté. Parce que je suis journaliste, dans ça, on est dans la ligne. Non. Il faut tout dire à la personne qui a mis béco. Oui, mais maman, elle est pour ainsi ça. Non, le bambou est le romorobo. Je n'ai rien à voir avec mon frère, Stani, même si on se connaît pas trop, ben, je n'ai rien à voir avec lui. Oui, bien, dans le mois d'avril, il y a un néo tozali. J'étais prêt. Bah, tu vois, comme elle est dans l'oba. J'étais prêt à porter Stani Boujakir à plainte. Moi. Mais après mille conseils à Batou, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien, n'a boyaki. Pourquoi? Parce que, non, à s'attaquer n'a personnellement été, mais, justement, pour propagation des fausses informations. Place Inga Nazali mandataire, il y avait un problème entre Bisso, conseil d'administration, la direction générale, et Ndegostani, à Salaki article, Moro Oezaki, à l'encontre de la réalité. Et, il nous a vraiment fustigé et incriminé. Et j'étais même prêt, je me suis dit, ça, c'est le manque d'objectivité parce que ce journaliste, entre guillemets, c'est un professionnel. Il pouvait entrer dans la source, aller bas, ce qui s'est passé exactement. Qu'au publier information, oh, ils ont qu'au dernier image Nabisso. J'étais prêt. Mais après, Nabisso, ça ne sert à rien, Natiki. On les a, acte, moi, oh, dans le journalisme, et pardon, raté, oh, le bapé, qui c'est ça, ils ont m'a prohibé, dans le journalisme. Donc, c'est pour dire que, aujourd'hui, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos journalistes, beaucoup, je n'incrimine personne, ils ont manqué le qu'on a objectivité, surtout enquête, na investigation. Parce que, à ça, quelque part, Moutoumou a commis, il a fait sous na WhatsApp, ça l'a boué. Pour aller, on a été, bah, moi, mon information est importante, et vous, dernier, on a image, on a, allez, il est à publier. Donc, et le qu'on a faut, bino, bah, je ne sais pas, télé, mais là, en haut. Il faut pas seulement qu'au tas, là,
Oh, l'État kangi, l'État a zan a droit ya mouto yo so gaza a tengami ya kokanga. A zan a droit au kanga mouto a tengami na kaza mi beko. Mais seulement, trop senga, bah, oh, bah, ma yon so va yon reproche contre yé, et zala vérifier, mais zala vrai, comme ça va livrer en na na population. Bah, yé, bah, pourquoi? Notre ami Bouchakir a été interpellé. Emmanuel Tibambe, nous avons vu la délégation et qui est pas ministre de communication et médias, Patrick Muyaya. Oui. Est-ce que moi, Lamboka, vous allez estimer que Patrick Muyaya peut apporter la solution face à ces dossiers? Non, mais écoutez, Israël Moutal a le bien, très bien. Okay. Il a bien dit que tout le ministre, tout le monde, tout le monde, par rapport à ce qu'on a vu, son confrère, soit quand même. Israël Moutal a le bien, on a été. Et puis, oublie bien que le ministre a dit si Bango a ça la nuance, a ça l'effort pour que bah des idératants nabino et coma acquis des droits et puis ils a respecté, mais tout en respectant pouvoir chaque nani, tout en respectant nani bah presque il y a séparation de pouvoir. Ça c'est le ministre Ndé Moutalobi au nani Moutal auto rapporteur. Donc ça veut dire Muyaya a ça la il faut à ça là par rapport à des idératants ni sur la journée sur mon aïe à combien maman acquis des droits mais à quoi intimer ordre et à quoi respecter la séparation de pouvoir y a pouvoir naïe et sous qui la niveau y a au commissaire des idératants acquis des droits mais à quoi influencer. Voilà un peu ce qu'on peut s'attendre de Patrick Muyaya. Merci beaucoup Emmanuel Tshibambe Nico Faye Mbikai. Journaliste. Moi, Lamboka, Nico Fay. Pourquoi, Namokolo Alelo, bah, journaliste, bah, zali ko faire objet et à, bah, poursuite, alors que la liberté d'expression, comme l'a dit d'ailleurs Israël Moutala, devant le ministre, est un droit garanti dans la Constitution. Bon, Koloba, parce que nous sommes dans un cas bien précis, mais il faut comprendre que non, la situation, elle est générale. Il y a pas violation, il y a pas droit de l'homme au Congo. Et il faut même souligner que, d'après un rapport publié pas plus longtemps qu'un mois, il y a Global Index, ils allaient placer RDC le premier pays au monde le plus corrompu. Violation, il y a pas droit, il y a pas congolais. Les cas sont les gens. Si l'on doit se mettre, il y a tout temps à cas, il faut toujours émission et bande de 9h à 21h. Dans ce pays, on a vu les hommes en uniforme, plus ou moins 10 personnes, et des hommes en tenue civile, en train de tabasser, en train de torturer moi Namouké il y a 11 ans Roger Massasu ou Asalaka marche pour Abandai Koluka Lipaye Kita dans ce régime pas plus longtemps que un mois massacre à Goma ce sont des violations massacre à Goma madame vous savez. Ce qu'on appelait abusivement en son temps, massacre de Lubumbashi. Est-ce que non? Si Emmanuel Kelor qui est en face de moi, à côté de comment il a bimbi mi balé ou yabato bakoufari na Lubumbashi. Ce qu'on appelait que non, massacre à Lubumbashi. Mais lorsqu'il y a plus de 50 morts, ça peut s'appeler comment? Il y a plusieurs sources. Certains sources parlent même de 160 quelques. C'est plus que même ce qu'on a vu en Guinée-Conakry avec Moussa Dadis Camara. C'est plus que ça. Ça ne peut se passer que dans le régime totalitaire. Je ne dis pas que non, personne entre nous n'est au-dessus de la loi. Malheureusement, ce régime a érigé des personnes qui sont au-dessus de la loi. Madame, que Emmanuel écrive donne la réponse aux Congolais. Quelle autre institution publique de l'État est-ce l'assemblée qui est autorité budgétaire? Est-ce le ministre de la Finance à Yabaka place Mbongo Yara Mekendaka? Quelle autre appelle sa réponse ou non?
Je vais revenir. Malembe. Ngaïna Bandaka, il faut comprendre le sens et le raisonnement. Digression. Pour arriver à faire comprendre, Toza Wapi, Toza Peko Kende Wapi. Madame, la procédure. Il vient de mentir ici. Salomon Bakangele Wapi. Pekepe le côté le Wapi. N'a pas eu avion te? Non. S'il vous plaît, Emmanuel. Malembe, l'opinion t'entend, hein? La vidéo a circulé, hein? Pékep ou Anna? On a contact. Pékep, il y a double cabine. Il y a Pembe. Ezoka, Salomon Skadela. Nakatia Biro a déjà. Pékep ou la Batakaye. Nakatia déjà. Nakatia déjà. Si les lots na Congo, détention est commis en règle. Liberté est commis exception, madame. Natanga qui première disposition, ba débat ya boyé. Ils arrivent à débattre que non, oye, oye, sur ma pension, oye, comme la plateau. Je vais lire une disposition constitutionnelle. Okay. Pour ne pas perdre le temps, Quand il va avoir la parole, je vais chercher la disposition. Notez. Évoluons alors. Oui, je vais revenir sur la disposition. Y a-t-il un danger aujourd'hui dans les chefs de journalistes? Non, dans les chefs de tous les Congolais. J'apprends même que non, il y a certains qui parlent au hasard, communicateur, il y a peu perdu. Ben, enlevez YP. Le danger est permanent dans les chefs de tous Congolais. Parlons, chérubin. Qu'on pose la question. Si on doit enquêter sur les autres Congolais, madame, Peter Tiani, de la manière dont on l'avait cueilli là-bas, il y avait la police militaire, un civil, il y avait la police. Quand on piquait, allait arrêter un directeur général d'un organe de presse. Ici, aux galeries présentielles. Au moment où on attend cette armada, Bakena Kozolabusho, Wilingoma, Wabi le Oyo Soba Zulibiso Wilingoma, Bakoura ou Sepelandeni, Sokarabo déployé le Mpingana Binowana, Bakitina Bunagana, Bakitina Massis Balubazu Wilingoma Bamimiao, Bakongole Bako Sepela Makas. Peut-être, bien que bilan est zaté, deuxième mandat, vous en avez facile. Mais Nico Fay, qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui et pas à Stani Boudakera? Je reviens sur la procédure, madame. Procédure droit. Est-ce à la magistrat à parquet? Est-ce à la magistrat y a siège? C'est-à-dire, il y a ma cour et tribunaux. Est-ce à la OPJ? Tous les actes qu'ils doivent poser, il faut que l'acte soit conforme à Mibeko. C'est la procédure pénale. La procédure pénale aimerait quoi? Tu es responsable, journaliste bien connu. On t'envoie un mandat de comparution. Parce que là n'est pas la première des invitations. Je dis mandat de comparution. Convocation, mandat de comparution. Parce que il est là, il faut le débat dans la commune. Il faut un document. Oui. Parce qu'il faut tout le débat, il y a parole contre parole. Et puis on parle de l'état de droit. L'état de droit repose sur la constitution et les autres lois sectorielles. Article 15. Il y a code de procédure pénale, il y a 59. Dispose quoi? Écoutez, section 2, du mandat de comparution et du mandat d'amener. Article 15 du code de procédure pénale à 59. L'officier du ministère public peut décerner mandat de comparution contre les auteurs présumés des infractions. Les auteurs présumés des infractions. Mandat de comparution. À défaut, yoka madame. À défaut.
fort par l'intéressé de satisfaire à ce mandat. L'officier du ministère public peut encore, on ne dit pas doit, peut décerner contre lui un mandat d'amener. Indépendamment de tout mandat de comparution antérieure, l'officier du ministère public peut également décerner mandat d'amener. Lorsque l'auteur présumé d'une infraction n'est pas présent ou lorsqu'il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction est punissable de 2 mois de servitude pénale, au moins, il y a des conditions pour décerner même le mandat d'amener là. Pour bâtir le mandat d'amener, maman, et c'est automatique, bien que tu es présumé coupable, mais il y a des conditions pour qu'on décerne le mandat d'amener. Le mandat d'amener est valable pour 3 mois. Yoka maman, pour 3 mois. Bon, comme nuance, hein? Le mandat d'amener est valable pour 3 mois. Je sais pourquoi je vous l'ai dit, mais n'a pas ce qu'on a raison. Il est renouvelable, maman. Renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite dans le plus bref délai devant l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. Dans le cas d'espèce, avis de recherche, ça vient d'où? Boujakira a été amené sur base d'un avis de recherche. J'ai fait la lecture d'article 15. Est-ce qu'on a fait allusion à l'avis de recherche? Ah, madame. J'ai dit ces choses parce que je suis dans l'obligation de le dire, parce que je suis procureur général pour le peuple. Mais par rapport à ma bavure, il y a régime, si je n'avais pas reçu mandat de Dieu, j'aurais abandonné. Comment on peut répéter les mêmes choses tous les jours? Et les gens, au lieu de changer positivement, les gens changent négativement. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve l'officier du ministère public. Madame, la question de droit que nous posons, Boujakira a été arrêté sur base d'un avis de recherche. Comment? Pourquoi? C'est un responsable. On devait lancer le mandat de comparution. Ma avis de recherche, madame, est à une suite logique, il y a certaines procédures. Telle que tu es là, tu as une résidence bien connue, tu as un endroit où tu travailles. On ne peut pas se mettre à délivrer un mandat, un avis de recherche contre toi. La loi, parce que vous connaissez que non, magistrat, procureur général de la cassation, procureur général, il y a cour constitutionnelle, procureur général, il y a Gombe, il y a Matete, tous les procureurs de la République, Bazali, Likolo, Yamibe, Kote, tous les actes qu'ils posent, ils doivent se référer à la loi. Y a-t-il mandat de comparution dans les dossiers de Boujakira? Il n'y en a pas. Y a-t-il convocation? Il n'y en a pas. Chuter, non, madame! C'est un cours. Le cours de procédure pénale est à 90 heures. Et les gens payent beaucoup d'argent pour suivre ce cours. Y a-t-il ma convocation? Y a-t-il mandat de comparution? Y a-t-il mandat d'amener? Mandat d'amener, madame. Ezali ponanini. Ba pêche 3 mois. Ba occupé qu'on renouvelle yango. Mais qu'on nous dise, soubassement, qu'il note après ce pays biyano. Soubassement et avis de recherche, Ezali. Pour arriver à l'avis de recherche, madame, ça ne se décrète pas. Il faut, après avoir procédé à une procédure, Bovida procéder Rwanda, parce qu'il n'est pas dit que lorsqu'on soupçonne quelqu'un, qu'est automatiquement commis coupable. Merci beaucoup, Nico Faye. Merci.
ton antenne. Nous devons donner la parole à Emmanuel Chibambi. Pour Nico Faye, pas de mandat. Il y a comparution, convocation. Pas de mandat. Il y a mené. Y a-t-il convocation? Nico Faye a se posé plusieurs questions. Moi, l'amboka, ou ça là, rétopédalage par rapport à ce qu'a dit Nico Faye. Nous allons aussi prendre le cas, le cas de Salomon Escadela, ou Azali Naboloko jusqu'à présent. Mais Baloubi a dit que Bela Penza, Makasi. Ma médecin a eu ma Pessi Penza a résultat, Baloubi, il est vraiment malade. Rapidement. Je pense que. Nenye Niko et mon quoi décrété à mon plateau qu'il faut tout ça va débat avec document à l'appui. Moi aussi j'adore ce genre de débat. J'ai un document on a brandi en haut na TV. OK. Va filmer. J'ai un document sous ce document Isali l'agence c'est l'agence excusez-moi. Parce que d'entrée à lobby que à lobby, la RDC est placée parmi est placée au premier plan de pays le plus corrompu du monde. À lobby, en haut, Awawa. Selon Global Index. S'il vous plaît. La source s'il, Global oh, Index. S'il vous plaît. Source, n'a pas eu le site. Nazana RD Money Global. Janvier 2023. Yango. Cameraman Azoué, en janvier 2023, où ils ont placé le pays, il y a monde, les 10 premiers pays au monde, le plus corrompu. Yango. Na pèse la source dans l'agence, dans le combo. Il y a agence, il y a pèse à Awa. Après, il y a l'action, on peut être venu à la Gissi Yangaï. On a su voir les 10 premiers pays. Bah, t'en es sur le premier plan, Somalie. Na deuxième pays, na deuxième position, bah, t'en es Syrie. Troisième pays, Batangi, Soudan du Sud. Quatrième pays, Batangi, Yémen. Cinquième pays, Batangi, Venezuela. Sixième pays, Batangi, Corée du Nord. Septième pays, Burundi. Huitième pays, Haïti. Neuvième pays, Libye. Dixième pays, Guinée équatoriale. Là, il y a une petite source, il y a un peu de lac ici. Yépé. Comme il y a un débat, il y a un preuve. Tant que vous avez parole, je me suis question. Parce que moi, je n'ai pas monopole pour toute la question. Après, ça se fait source, il y a information. Sinon, tu vas te décréter, tu vas te confirmer qu'il y a un mouton à l'okuta. Il y a un peu de source. 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 Donc, il y a 9 mois. Il y a un peu de source. Il y a une périodicité. Voilà. Je pense que place wana batwa wana so wayebana na za lokuta na za na bosolo mama mamelo oyebi batwa fwa maîtriser droit ngana yebi Nico Faye c'est la droit c'est un juriste ata aya na mon monde ya journalisme mais aza muto fwa maîtriser droit ko lekanga ponga sala droite il faut maîtriser droit ko lekanga yi biso kana ba recherche na so ka rudimentaire mke ko ko poto ape batu to tanga ape mwa mingi to s'intéresser ape na ba science musulo ko ba droit. Na koyeba mwa mketo yebi ezalaka ete so batike mutu convocation aki no se présenté so ki mutu na ete mbami ba ba salaka ba desenga mandat d'amener to yebi ete so ki mutu ba ke ko luka e batike la ye convocation na parquet et que adresse na ye ezali introuvable. Après avoir passé ma méthode de bique, ma génération n'a pas posé tout ce que tu as dit. Maman, c'est la roue à Bengi, ma avis de recherche. Parce que, adresse des introuvables. Baro Kende, soit Baro Kende, place à ça la câble, bon. Ce qui va monter, Azakounate, c'est la roue à Bengi, mandat d'amener. Ça, il faut, avis de recherche, pardon. Voilà, il faut Ndeko. Niko Faye Aye Bayango. Ici, je mérite que je mérite me faire comprendre. Selon les informations, selon les informations, oyo, ngai nazali na yango. On a loba oyo et où t'es pas na ngai t'es. Exact, tu aurais recueilli ba, vu que ba, pourquoi les kambo yo et komi bongo.
selon les informations que Nekowana adresse à Kinshasa, ville de Kinshasa est introuvable. La ville de Kinshasa. Bah, qu'il veut placer en nous ça la cala, entre guillemets. Ouais, on a évité d'abord, bah, ils font son nom. Parce que ça la cala, et pas nous, on a son patient. Il semblerait que Kouna place à l'ongo, ça la ressoute. Il semblerait. De faut bien vérifier, pas de sous. Bah, l'objet qui est dans l'actualité.cd, à ça, les sous ou Kounaté. Alors, madame, ceux qui ont adressé, n'a eu pas, et bah, ils vous en a beau solo, vous avez sous place, vous en a été. Place au vent dans l'anda, vous avez place, vous avez sous place, en a été. Monsieur le ministère public décerne un avis de recherche. Ça, c'est une notion rudimentaire de droit que, oh, il faut maîtriser. Mais malheureusement, ils ont maîtrisé à côté. Il a comme ça qu'on administré au sous-bacour. Il faut qu'à Sony. Dans le cas d'espèce, le ministère public a la latitude de décerner un avis de recherche. Parce que, adresse physique à Moutemou en a été. Moutouana a un conflit avec la loi. Et le ministère public a pleinement droit de décerner un avis de recherche. Donc, je pense que j'ai vraiment répondu par rapport à ce cas. On a dit que l'Oba et outil dans mon rôle en Haïti et outil dans ma canisse dans la tête, ça, oh, biso, tout ça, bah, information. Vraiment, bah, qu'il y a une actualité.cd. N'a yo, n'a yo, n'a yo, bah, y'a du signe. Moi, j'ai vu patient, n'a bah, image, hein. Patient, ça, patient, ça, journaliste, maman. Je l'ai vu, n'a bah, image. Mais, n'a pas de moi, maman, ça, n'a bien, moi, bah, j'ai envie de vous demander, est-ce que j'ai envie de vous demander ça, maman? Actualité.cd, je parle de ça, non? Mais, justement. Bah, qu'il y a une actualité.cd. Bah, y'a du signe, bah, y'a, bah, y'a, bah, y'a, bah, y'a, bah, y'a, ça. Mais il y a un journaliste mené par enquête, bah le lobby il semblerait qu'il y a ça la sous l'actualité.cd. Ça les gens le disent qu'il y a ça la sous Kounaté. Qui a dit? S'il vous plaît monsieur. Allô bah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi je suis, moi pour votre gouvernement, moi je suis un journaliste, moi excusez, non, je ne suis pas venu raconter ma vie, na maîtrisant ma casse de Ronangai. Et en tout cas, j'ai la prétention de dire que j'ai fait des très bonnes études en journalisme. Naïb a une notion rudimentaire en journalisme. Et bien, les autres, même si on a un monde en haut, mais il a échappé, on a échappé en réalité. Je l'ai vu ici, il semblerait, dans notre monde conditionnel, il semblerait qu'il ne travaille plus dans actualité.cd. Il en faut, j'ai des amis même dans actualité.cd. Je vais encore me renseigner, savoir si telle année vraiment le cas. Mais si telle année le cas, mais le ministère de lui a pleinement droit, maman, de décerner un avis de recherche. Où est le mal? Où est le péché que le ministère public aurait commis? Quel est le péché qu'il aurait commis? Avant de décerner l'avis de recherche. Il y a adresse dans les hommes à la tête. Place au salaire, aux assauts, place sur la tête. Aux gens conflits dans la loi. Bati, nan, nan, mi, beko. Bati, kayo. Bako, décerner l'avis de recherche. Place sur mon couteau, bon, soit, yo. On les a mis, beko, de lobby, yango. Neko, pendant ma. S'il vous plaît. Du pénal Wana et lobby bongo lorsque l'adresse physique y a la personne en conflit avec la loi est introuvable, on passe à l'autre démonstration, c'est laquelle on décerne un avis de recherche. Parce que il faut répondre, bah, il faut l'état de reprocher yo partout dans le monde et bagozoyo manou militaire sous une bonne escorte. C'est comme ça se passe, messieurs. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je pense que, na kawana, je me suis fait comprendre. Pendant ce moment, on a nani, au lobby qui est malade, tout ça, bah, moi, je me pose la question, maman. Et ça, na batou, bah, kota, bah, prison, bah, quoi, bah, ça, bah, 20 ans, bah, 21 ans de prison, au tout ça, le raté, bah, belata, moi, au fièvre, tout ça, bon, aboué. Mais lorsque, kaka, yo, au outil, au zaïna, liban, vous avez malamou, on a un conflit dans la loi. Non, mais beaucoup. Bah, quand tu es en prison, au commun, on est malade. Si on est malade, bah, qu'on soigne, yo. Est-ce que malade, y'a un ouézali grave ou essayé, bah, minganga, y'a Congo, bah, qu'on y'a un faut bah, bah, expatrié, moi, je ne pense pas. Ce qui est une négociation, c'est qu'il y a des malades, azali, moutou, à Ripoko, bela. Je pense que, au Congo, nous avons des médecins. Dans le régime, na bango, bah, ton gars qui est hôpital cinquantenaire, bah, qui est le meilleur hôpital en Afrique, tout ça, bon, aboué. Bah, médecin, bah, zali, wana. Bah, quoi, il est soigné, ben, Ndeko Salomon, est-ce qu'il y a de là? Bissot, pour bien sûr, Zaline, au Nyonso, bah, reprocher contre Ndeko Salomon. Il faut te, bah, vérité, n'ayant, autre, t'y, quand, bon, il faut te, bah, vérité. Et,
Makamou se baye reproché wana ce que Zali nani Zaki soutenu par banani il faut toyer bayango parce que ba accusation les portée contre Zali vraiment très grave et puis ndeko foyer ba o iza ba principe ndeko isa nga souna sala ko ba rappel na bloko yo foyer ba faut maîtriser ndeko ministère public a cause la kanga kiyo parce que oyiba ki eloko alandela ndela le amonike ba tu ba kosé la kiyo oyiba ki na hoté mais yé Moussa ministère public za rani ezara qu'on recherchait ma infraction mais yé a celle ma investigation sur yo alors comprendre que non yo oyiba ki na yo té ba kosé la kiyo mais o estrokara ba tu ba mbongo il peut te retenir en ce moment là à quoi le bagnon est forcément fondé qu'il ne connaît qu'au fall et ça bon côté parce que je n'ai pas de preuve mais maintenant ça va preuve que il y a il va quitter maintenant ma preuve que à escroquer à Batouba Biloko il peut te retenir c'est pour dire c'est un faux débat de dire que non et là bagnon là qui ne connaît pas pour la pistolet et bagnon il cherche le ministère public à Salim Moussa Naé et il a découvert d'autres faits infractionnels d'autres charges infractionnelles aux arrêtés contre Ndego Salomon Escadé là maintenant il est malade il peut pas se faire soigner. Mais il y a des médecins nous avons des médecins ici. Le problème là-bas, c'est qu'il n'y a pas expatrié. C'est ça le problème. C'est là où nous, c'est là où ça dérange. Pourquoi quand on sort, il y a bien la prison, faut pas mettre sur les bandes. Tous les Congolais sont dans la prison, wana. On va bien là. Pourquoi on peut voir qu'il est sur l'étranger? Car il y a des super Congolais. S'il est malade, je pense que nous avons des médecins compétents ici. Nous avons des spécialistes ici. Nabani, nous sommes secteur, nous sommes bakouzo va soigner, wa, bakou traiter, wa, pourvu que. Parce que ce matin qui a kené ba a kené à l'étranger, fouit n'est allé à craindre. Fouit n'est à craindre. Bon, par rapport à tous les faits, toutes les charges qui sont tous les faits qui sont retenus à sa charge, fouit n'est à craindre. Il y a un moment ba kondi ba rolinga te ba bimisé ba na izo soigner ba na soza maladi ba go soigner awa pour que instruction et suivre cours nango normal. Voilà, c'est comme ça. Voilà, un petit commentaire par rapport aux différentes réactions. Alors, on peut ça juste à une minute, un petit commentaire par rapport aux différentes réactions après l'arrestation à Stani Boujakira. De réactions étaient enregistrées ici et là après son arrestation. Il est important de noter que Stani Boujakira et les correspondants du magazine Jeune Afrique, de l'agence de presse Reuters et le directeur de publication adjoint du média congolais actualité.cd. Ah, on va vous confirmer jusqu'à là qu'il est directeur de publication adjoint. On va faire de recherche d'Engue Emmanuel Alobi, mais jusqu'à là, l'article va confirmer qu'il est directeur de publication adjoint actualité.cd. Il a été arrêté à l'aéroport international de Ndjili le vendredi 8 septembre. Les sources officielles ne sont pas encore exprimées sur le motif de son arrestation. Cependant, l'opposant Martin Fayoulou a déclaré que l'arrestation du journaliste Stani Boujakira, dans des conditions peu orthodoxes, révèle l'arbitraire qui caractérise les régimes. Il a ajouté que cette intimidation est une menace grave à la liberté d'expression et au droit à l'information. Shukran Litiani, patron du média en ligne politico.cd, a déploré le fait que le service de sécurité de la République ont une présomption de culpabilité liée à leur réputation et surtout leurs pratiques dans le passé. Juste une réaction. Alors, ma réaction est commentaire, elle est justement par rapport aux différentes réactions. Je pense que Batouba dans l'émission Batouba propos n'angaï. J'ai bien dit il semblerait. J'ai répété plusieurs fois pour pouvoir comprendre. Bah, ONG, il semblerait. L'organisation paye à ma presse et à médias et bandits déjà. Mamelo, n'a pas pouvoir comprendre n'a ma bé. N'a bien que il semblerait que Azalagali Soussou n'a actualité.cdt. N'a l'obité n'a 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 l'obité. Je dis selon les informations que j'ai recueillies, qui Azalagali Soussou Kounate. Mais n'a l'obité n'a l'obité. Mais non, je vais encore me renseigner d'avance à savoir si réellement. Ce que j'ai comme information est vrai. Dans le but est engagé dans le but que à sa source qu'on a tenu bien, ils sont menés dans le bon conditionnel. Avis de recherche et Salamaki. Donc et puis maman, c'est là non nous c'est là. Un commentaire par rapport dans le but ils sont menés. Ils engagent dans le but en haut. Au début que égros la paix que bah aussi que leur convocation en a bossolo. N'a plus un exemple bossolo politique, bossolo télévision. Pour bah bien adresse physique na yoté. Bah bien maman le salon en a bossolo. Bah quoi tu le peux ma convocation à ou une deux mais pour la solidarité bosso les oboya et bosso n'a plus n'habite les abongo bosso les boy connaître les sous ouais voilà
et pas le ministère public. Moi, tu écris quand même article. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ou soit, vous êtes en convocation dans Wana, ou cela qu'on répond dans Wote. Et pas le ministère public qui est Bimani. Qui est même adresse n'aïe, ou dans lieu professionnel n'aïe, à Zapé introuvable. C'est comme ça que ça sera qualifié chez le ministère public. Dans le lobby. Non. Je pense que le juriste, c'est la nanga. C'est bien autre que la convocation au groupe, c'est pour endetté. Et pas le ministère public qui est Bimani. Que non? Femme en haut, on a tout le monde y était. Ils savent, bon, ils ne le baquent, on a ça sous-souté. Ça veut dire, même adresse, il y a lieu professionnel, là, yo. Et combien trouvable? Et en ce moment-là, que fera le ministère public? Il va décerner un avis de recherche contre toi. C'est ça, demander à tout juriste, tout le monde, non, ce juriste, soit tant malam, ou yébissao, que. Il y a pas ça là droit, hein. Maman. Par rapport, il y a maman, Babylon, au moins, il y a droit, n'est-ce pas, non? Il y a juriste, c'était. Et bien là, on va tenir le droit, mais ça n'a pas droit à monter. Tout le monde est tapoté, patogé, tout le monde est salarié. Il y a des gens qui sont salariés, 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 qui na niveau ya na niveau na excusez ngai bamso za yulanda sur la TV na niveau ya Martin Fayulu carrure wana il pouvait s'exprimer après Magambo ya nani après nani a décision du ministère public il pouvait pas s'exprimer comme ça soki ba fait nyo so reproché ne konabiso stani et ça verrait vrai avec preuve à l'appui monte qui non ba propos na automé ridicule. Ça me fait très mal au monde qui a commenté. Il pouvait vraiment mieux faire ses terres à Zelensky. Quels sont les faits qui sont reprochés à Stani? Et à ce moment-là, il allait s'exprimer. Voilà. Merci. Mettre la charrue, on va le bénir. Vraiment éterni l'image à Martin Fayulu. Merci. Nico Fay, vous avez la parole. Oui, vous avez suivi. Kamboya vit des recherches. Madame. Stani Boujaki. Azoum la pénale du Kamboya source naïe. Adresse et Zali Corrompu. D'abord, nga nazo futa nano nyongo moko nazaki awa na baki keno na luka na recherche disposition. Ah, on suit quand même pas jango. Ouais. Non, awa ngai oyo za débat ya sociologie té. Oyo za débat ya sociologie té. Ko isi yo to lo kaki to. Non. Nous sommes en matière pénale. Le droit pénal est de stricte application. Nous sommes en matière pénale. Le droit pénal est de stricte application. On n'invente pas. Article 17, il y a constitution passée au référendum. Pour lesquels ils ont fait tuer les gens qui ont voté constitution. Quand ils refusaient à ce que nous battons quelle constitution, ils voulaient qu'on reste avec quoi? Il est là, les Mobutus et leurs enfants, qui nous disent que les noms de la constitution qui nous a régenté à l'époque d'Isaïr. À quoi m'appelle sa réponse? Il ne va pas vous donner des réponses. Article 17 de la constitution. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle. Et la détention est l'exception. Mais maintenant, comme ici, les lots de détention règlent. Il a patogé. Nous ne sommes pas devant le tribunal, madame. Toi, au niveau, il y a police judiciaire. À la limite, même au niveau du parquet. Comment se fait les convocations et les manières de comparution, madame? Apprenez maintenant. Il a prétendu enseigner un magistère. Madame, soit qu'il est l'adresse physique, il y a ma mélo. Et il y a banité. Mais néanmoins, on sait qu'elle travaille dans mon solo. Et allez assignation, et la citation directe, mandat convocation. Bakoya nango a on a secrétariat, na réception. Mama me loza azate. Oui, biso ba anjon, to tike liye convocation oyo. Convocation basa kango maman denge nini. Na copie. On le fait souvent à double, en deux exemplaires. Batiki convocation. Réceptionniste à Bosolo.
Il faut assigner réception. Première, deuxième, même procédure, on répète. On amène la convocation ou bien le mandat de comparution en deux copies. Batiki original. Bon, solo accusé réception. Le réceptionniste accuse réception. C'est supposé. Qu'est-ce qu'on fait avec les copies? Maintenant, il apprend la procédure pénale. On retourne avec les copies. Bah, copie, on a, bah, j'en ai coaché, on a dossier physique, na yo. Ou est-ce pas, au PJ, ou est-ce pas procureur? Et pas magistrat. Pourquoi on amène en deux exemplaires? C'est pour que la personne, le moment venu, ne préteste pas l'ignorance. Alors, bah, t'es que non, na yé ba quitté. Ou yé ba quitté? Ou ça, na bon solo? Copie, on a. Ou est-ce que réceptionniste est arrivé? Na yé billet. Ça, c'est le droit. Il me dit pas la sociologie, il parle à l'infastique. Moi, je ne parle pas à l'infastique. Moi, je parle en droit pénal. Que tu ne maîtrises même pas. S'il te plaît. Tolérance, Emmanuel. Malembe. Tolérance, Emmanuel. Ouais. Et comment est-ce qu'on a un 8e niveau, Sugo? Vous comprendrez, hein? Le droit doit se prouver. Parce que la personne est en droit à connier. Alors, qu'on a un certain droit reconnu à tout le monde. Et pour que la personne, le moment venu, a un wanganaté. Il faut, éviter, je n'ai jamais été informé. Tu n'as jamais été informé. On sort la copie. Oyebi mutu, oyebi réceptionniste Hervé Kayembe. Oyebite, oyebi été. C'est ça le droit. S'ils estiment que, pas la grimata dans le dossier physique, où est-ce qu'on a signé le récépissé? Il y a actualité.cd. À sa adresse physique, non? Pourquoi on est, le législateur prévoit ça? C'est pour éviter l'arbitraire. Il n'est pas dit que OPJ, magistrat, basé le pouvoir de l'Union Chambre, il y a qu'on a qu'on. Non! Tous les actes qu'ils doivent poser doivent être conformes à la loi. On ne peut pas aller au-delà de ce que la loi n'a pas prévu en matière pénale. En matière pénale, si tu vas au-delà, tu commets arbitraire. Malheureusement, ces notions. Est-ce qu'il faut que le baron n'a pas tabouillé? Non. On a vu dans ce pays, sous ce régime, RAM. Non, Ezawap, il y a RAM Ezawap. Parlement au Kozambo, va lui, toyébité. Ministre de la Finance, argenté la République, toyébité. Quand la présidence de la République. Mais Nico Faye, vous estimez que Patrick Muyaya, le ministre de la Communication et Médias, peut apporter une solution adéquate? Oui, dans un régime, régime totalitaire comme celui-ci, où l'exécutif peut influencer le judiciaire, c'est possible. Comment ça? Madame, n'a-t-on pas vu... N'a-t-on pas vu dans ce pays, Vital Kamerhe est condamné par la justice, mais Antoine Alobi, que non, c'est un homme correct, à Kobima, à Bokomo, n'a-t-on pas vu ça pour l'amour? Le lot l'arrêté nous donne quoi? Tu n'as pas vu Vital Kamerhe, un condamné de justice, mais néanmoins président de la République dans l'exécutif, dire que Vital Kamerhe c'est un homme intègre, il va travailler pour ce pays. Lelo Tozawap, un condamné à Bimi Mécanisme, et aujourd'hui, Lelo Azana, ceux qui n'ont pas beaucoup, vous ceux qui ont pu collaborer, non, bilan, ils ont positif, t'es. Au moment où dollar le lot 255 260 000, donc Mouyaya peut trouver la solution. Dans un régime comme celui-ci, l'exécutif influence les judiciaires. Est-ce que c'est un secret? Tomoni Awa. Parce que lorsqu'on dit à Moutazo, on a vu Nani Biselele. Biselele a limité. Akituma est qu'on a prêté. Lorsqu'on a prononcé l'Akituma, Biselele était au pays. Madame, je donne le fait, hein. Lorsqu'on a prononcé l'acquittement de Biselele Bifor, était-il au Congo? Abima Kita va se faire soigner? Pour le fait, on a une collaboration avec coup d'état et consort. François Beya, est-il au pays? Est-il au pays? Moi, je donne des cas bien précis. Moi, je ne suis pas oiseux. Je ne suis pas l'air. Nous parlons de la procédure pénale.
Je ne dis pas que Boujaki est innocent. Je ne dis pas qu'il est coupable. Mais ne serait-ce que la procédure. Le droit repose sur la procédure. Parce que Kokangamutu lui privait la liberté. On a vu de cas ici les gens. On a privé de liberté aux gens. Et on finit chignarier. Daniel Massaro. 2 ans à Makala. Sans procès. N'est-il pas en liberté? Alors, vous voulez qu'on dise quoi, madame, avec ce régime? On reste qu'on dit dans un régime que non, droit de l'homme est le baillé, le baté, tokota l'angoté. On est où? Donc, il n'y a pas de liberté d'expression. J'ai dit ceci. Il n'y a pas de liberté d'expression. Je t'ai dit, est-ce que. Moi, je lis la théorie à la réalité. N'a-t-on pas vu des gens arrêtés sans procès? N'a-t-on pas vu bagarre présidentielle discuter? Oh, ils ont authentique, mais il n'y a pas authentique. Mais néanmoins, la personne est en liberté. DG Sokok, DG OVD, ministre Nani. C'est qui? Oh, il y a Sévigné Nani. Ancien ministre EPST. Ancien ministre de l'EPST. EPST. Comment il s'appelle encore? Le nom va venir. Oui. Est-il sorti comment? Sont-ils sortis comment? N'a pas grâce présidentielle controversée. Mais néanmoins, on produit les effets. Vrai ou faux, madame? Bon, mon cafouillage, oh, tu veux ma haut en abandonnation, il y a la police nationale congolaise, bah, généraux. Tu n'as pas suivi? L'état de droit, madame, c'est le respect de la Constitution et les autres lois de la République. Alors, j'ai lu moi la disposition que lui n'a pas rencontrée. 3 dispositions déjà, qu'il ne rencontre pas. Il faut qu'on prouve à Boujaki que non, bien que ton adresse physique au place où on a la cahier. Mais comme tu es directeur de publication adjoint, il y en a. On a été là. Voici le récipicé. Est-ce qu'il connaît la valeur de récipicé en droit? Est-ce que vous avez le droit de le récipicer? Parce que s'il n'y a pas de récipicer, quelqu'un peut prétendre l'ignorance. Ton nom que tu cherchais, c'est Bakonga. Allons-y, on est. Bakonga, Willy Bakonga. Est-il sorti comment de la prison? Pas avec une mesure de grâce controversée? Et aujourd'hui, il est chantre? De quel droit on veut nous parler ici? Quand on parle de droit, état de droit, c'est quoi? Est-ce que non? Salubrité, pas la carte état de droit. Sont allés bimaka à vin des huileries oh yo. Tronçon place biscuitier ce matin à balbalé sumé wana. Maï na maï, t'as la salité. Et après, il y a l'état de droit, salubrité publique. Tandé na avenue oh yo, avenue des inflammables. Oh yo, moussikate na force navale d'Andolo. Avenue des inflammables na, ça peut servir que n'dengue embouteillage na poids lourd. Babongi sayanga. Et des engorgés poids lourd. Mais quel est l'avenir des inflammables? Ils ont été en saïté dans la salité. Là où il y a des ports, il y a au moins 4 ports là-bas. Où là où on génère les recettes. Ça fait aussi l'état des droits. Et quand vous arrêtez quelqu'un, est-ce que vous avez vu que non? Mais bien le code, la loi pour la protection de l'enfant. Lorsque vous arrêtez quelqu'un, à ce cas-là, la banane à mineur, il faut voler sa banane à y. Vous le savez? Vous l'avez bien, vous? Ndenge na kangi Boujaki rawana. Il faut bana na union sur la mine balé ça bawe par l'état. Ça peut se faire? Bien wewe ka ko kanga bitanga kanga. Bokanga pe Cheribent. Le Cheribent Zawapi. Bokanga Cheribent, où est Cheribent? Parce que madame, il faut qu'on en parle. Boujaki est allé dans les dossiers Cheribent. Cheribent était-il convoqué à la cour constitutionnelle ou pas? Madame, nous devons nous poser la question de droit. C'est quoi la commission qui a bougé ça sur la droite? Oui, mais le voté, papa. Madame. Oh, bunga bunga. De quel droit le juge de la Cour constitutionnelle avait-il convoqué Cheribin? De quel droit? Madame. Un ministre en fonction de pause fait la déclaration de ses biens à la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas verbalement. Il est fait par écrit. Ce qui court constitutionnel a constaté que
na ba document na ye o a déposé na déclaration na ye incongruité ezali ezali partiel madame o le bien quoi kati on a mutu talibana ko comprendre nango o le bien quoi kati ce qui juge a ko consola constater yango a ozana pouvoir ya ko convoquer ministre te a ko sa nini mama ba sali constat na bango a sali rapport a déféré dossier na cour de cassation. Je suis en droit, droit pur. Ne peut connaître ça que Moutouo a yé, bibé a yé, malam pe qui toko. Le juge de la cour constitutionnelle, madame, ne peut-vous pas inviter un ministre pour l'entendre sur un quelconque dossier, il y a déclaration, il y a patrimoine. On dépose les déclarations à la cour constitutionnelle, on étudie. Si on constate qu'il y a des couacs, on défère les dossiers à la Cour de cassation. Il appartient au magistrat de la Cour de cassation d'enquêter et de convoquer un ministre. Maintenant, en droit, madame, maintenant, ce qu'on a continué dans le droit pénal lorsqu'on met les enquêtes, droit pur et akati, en droit, cela, je ne dis pas que Zayango, mais cela peut être considéré comme étant une orientation criminelle. Qu'est-ce que ça dit? Wana koye bango, liziba mayele. Orientation criminelle, c'est quoi, madame? C'est quoi? Ngana toye bani. Mais yo, ngana kote le fiti foba bo mayo. Que faire? Soko bino bozo si bo bengi ya koyate. O mitulise moi, moi, ton ami. Oh, mama me loza wapi. Et nazana grand hôtel, ao. Te me ya grand hôtel, koye lanzela oyo. Il y a batété la terre, il est là venu Ouganda. Pour naza côté kuna. Or, itinéraire on a pèsi wana. Et ça itinéraire on a ina sina pèsi code. Pour ba yo bazo na kati nzela wana babu mayo. Babu mayo na kati a 500 que tokutana. Sans te rendre compte que ngai nde na planifier yango. Voilà. Parce que la question que nous venons poser. De quel pouvoir le juge de la cour constitutionnelle avait-il convoqué Chérubin? C'est une question de droit profond. De quel pouvoir? Pourquoi l'avez-vous convoqué? Est-ce qu'avez-vous la latitude? Madame! Oh, bon, quoi, bon, hein? Merci beaucoup. Oh, merci. Merci, Nikofa Mbikai. Merci. Nous allons prendre cet élément pour que tout soit sujet Moussoussou. Lubumbashi, quelques présumés assassins, trafiquants de véhicules volés, coupeurs de route et autres cambrioleurs ont été présentés au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, ce lundi 11 septembre. Patricia Nesoko, cette femme de plus de 40 ans, est comptée parmi les présumés malfaiteurs présentés au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kankonde. Ils sont repartis en groupe de 4, parmi lesquels 7 hommes et sa bande, auteurs d'un meurtre dont le corps se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital Saint-Doué. Il y a aussi des casseurs de vitres spécialisés dans le vol des biens des valeurs. Ils cambriolent les maisons tard dans la nuit. Cet autre groupe est constitué des pickpockets qui arrachent les téléphones et d'autres objets des valeurs aux passants au quartier Luo-Oshi dans la commune annexe. Et en dernier, cette bande de coupeurs des routes qui rançonnent les conducteurs des tracts de la route Kasumbalesa jusqu'à la route de contournement à Lubumbashi. Parmi eux, ce malfrat spécialisé dans le vol des véhicules à partir de Kolwezi pour le revendre à Lubumbashi. Non, on soit disant Après avoir échangé avec plusieurs d'entre eux, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a salué ce joli coup de filet réussi par les forces de sécurité. Peter Kazadi Kankonde a instruit les procureurs généraux près la cour d'appel du Haut-Katanga pour qu'un procès en flagrance soit organisé dès ce mardi, que chaque criminel réponde de ses actes. Voilà, merci beaucoup à la technique.
Botikolanda tout à l'heure, élément par rapport à l'insécurité, Nangambo ya Lubumbashi, insécurité sur presque partout, nakati ya République démocratique du Congo, mais quoi faire pour mettre fin na ba acte nyonso ya vandalisme ezali ko régner nakati ya mboka na biso. Je vais poser la question à Emmanuel Chibambe qui est cadre et communicateur nakati ya UDPS. Emmanuel, j'espère que vous avez suivi avec nous tous et qu'on circulait déjà na ba réseaux sociaux dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 septembre et pas le malfaiteur au Babengi Big Boy ou Azala qui vraiment connu bateau la Kisaki d'ailleurs à la face du monde Azali condamné à perpétuité et Azali na prison Makala depuis la prison centrale de Makala au Azali il a fait un live. Il y a 45 minutes, j'espère que la technique a coulé, que la bison est fixe, que même l'image, il y a live, voilà. Les gens peuvent regarder ça dans l'illustration. Il a fait un live il y a 45 minutes sur TikTok depuis une cellule de la prison où ils allaient qu'on réunir un effectif monumental pour aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, soit il y a 2800 personnes, j'aime ébélé parce que tout le monde est en train de suivre ça. J'espère que vous avez été comme depuis plus de 24 heures, plus de deux vidéos cartonnent sur la toile d'où on peut visiblement identifier Big Boy et ses coéquipiers en train de parler de la complicité de certains hauts placés du système judiciaire et sécuritaire congolais. Mon amboka, Emmanuel Chibambe. Live et 8 temps et belé, tout au plus 45 minutes. La Katia, prison centrale de Makala. Yebisa Bissou, est-ce que c'est d'abord permis? C'est d'abord permis pour y a téléphone, la Katia, prison centrale. Et où tu wapi, c'est vrai qu'on a source, à Zui Ango wapi, à commun à niveau, il y a que ça la live, il y a bongo, pour na, s'il faut dire qu'on funda, comme on dit, qu'on funda, naba kondi, au bazali impliqué, la Katia dossier, l'insécurité. Mamelo, force est de constater que Ndegonabiso, Azali ko s'illustré, y a coupé sa leçon de droit dans l'ail, malheureusement, Azali ko patougé, malheureusement, moi je le prends dans le mot, dans ses propres mots. A vous tout ça, sur illustration Mokwawa, y a kolo baété, ce qui magistrat y a cour constitutionnelle, ba mounaï, n'a pas de mounaï, ce qui magistrat y a cour constitutionnelle, bengisi ministre. À cela déclaration y a ba voir naé ministre akoya koloba na munokote akoya na akoya cosa la déclaration est par écrit akopé selon la magistrat akopé selon la juge à cour constitutionnelle ça c'est selon yé et magistrat à cour constitutionnelle ce qui a constaté qu'il y a incongruité dans ce sujet ba mon aïe na beaucoup chao ngai né en ce moment là à cause du dossier, à retransmettre en haut, dans la cour de cassation, selon Dengue y a lobby. Et enfin, Silici a chuté pour dire, pour demander à l'opinion, de quel droit le juge à cour constitutionnelle a Bengisaki, mais ce chéri bien au Kenne. Mais soyons quand même, je suis malade. Il est mort dans le lobby. Naïté. Que Maïssa a cour constitutionnelle a Bengisaki ministre, ministre a sa déclaration est par écrit, mais à quoi examine, ministre, ça examine par écrit, à aussi qu'on n'a pas juge à cour constitutionnelle, juge à cour constitutionnelle, à quoi examiner un mot, sans vous dire qu'il y a conformité, il y a incongruité, à quoi transférer, à quoi déférer dossier, dans la cour de cassation. C'est à la cour de cassation, à quoi enquêter sur le ministre. Et enfin, il pose la question de quel droit le juge à cour constitutionnelle, ben, ça qui, mais c'est chéri, ben, au Kende. Bande, on a un abonnement sur la TV. Bande, on a un abonnement sur la TV. Pardon. Soi-disant expert en droit. Tout soit la cour constitutionnelle doit éclaircir. Non, mais. À la portée Non. Enquêteur n'a nous rendu verdict dans mon hôtel le bail était effectivement le député Chérubin Okende qui n'a cour constitutionnelle n'est-ce que le bama
va confirmer la bisou bon côté. Mais tant le bananou qui est, tant le bagage, c'est l'orange qui va te voir le bagage, il y a une cour constitutionnelle. Mais ce qui est une cour constitutionnelle, il y a un droit au yotuni, de quel droit? Il y a un droit au yako, au père, ça qu'on déclare, bah, blon n'est pas qui, et va devant le juge. De quel droit écrivez, vous allez répondre. De quel droit juge à cour constitutionnelle à Robin sa ministre. À Robin il savait pour aller autour le baron aller au sa déclaration naïe. À déposer déclaration là bas voir naïe devant le juge à cour constitutionnelle. Mais le juge à cour constitutionnelle a étudié qui dans nos dossiers. Et ça il t'a montré monsieur Chérimé auquel mais aïe qui n'a cour mais à côté de l'incident on a entre guillemets parce que il faut attendre aussi le rapport de l'enquêteur. Bon, on va éclairer bien sûr effectivement Ayaki Mukolana Toté. Donc, monsieur Tika, bah, ambiguïté, Tika, bah, ambivalence, n'a pas propos, n'a yo. Donc, le magistrat à cour constitutionnelle, le juge à cour constitutionnelle, a le droit d'inviter un magistrat à verrier, car au dépôt, quoi, qu'on sait, n'a pas venu à patrimoine, il a ce droit-là. C'est dans le traitement à dossier, n'est-ce pas, lobby, avant dans la cour de cassation, mais tout comme on a été pour Anati. Donc, si cas incongruité, vous n'avez pas place, n'ayo, maïsra, ou, entre guillemets, c'est Cherbo, il avait ce droit à Robin Issaï. Deuxièmement, Ndeko Mamelo, on a mon outil, image, il y a le Lubumbashi, tout ça. Voilà, je voulais aussi profiter, maman insécurité, ils ont un peu plus, ils ont moins mingi, dans mon cas, tout ça. J'ai vu aussi, la ville, il y a Kindu. Un général, pas ça, Moussa, la malam, parce que ville, on a dernièrement, ben, ça y est, qui les a eu vraiment à la trousse. Donc, criminel, ben, mi, ben, nous, ça l'a vraiment loin n'avant aucun. Mais depuis, général, Obatinda Wana, général Elvis Palanga, Nawe, Jacques Kiwana, tout ce monde a mis ça, tout ça, là. En tout cas, dans mon, ben, mis ça, dans les réseaux sociaux, dans mon, dans les informations, en tout cas, j'ai même vu, ben, tout le témoin que le bail était général Elvis Palanga, vraiment, avec au réduire tôt, il y a insécurité dans la ville à Bukavu, dans la ville à Kindu. N'a pas si emboté, donc, tout ça, besoin, bah, toi, bon, oh, ma, bah, tindi, bon, ça, moussala, bah, ça, moussala, maman, et puis, bah, konzi, bata, laye, et puis, bah, ça, là, oh, bah, seigne, bah, ça, là, oh, seigne, bah, ça, là, pour, na, bah, tout, bah, ça, moussala, malam, le roi, bah, général, vice, na, général, là, na, Lubumbashi, donc, je pense que, bah, oh, bah, toi, surtout, il faut, bah, éradiquer, insécurité, vous allez qu'au gangrener vraiment, Mokalabiso. Donc, j'allais juste placer un mot, parce que, si on peut, on doit ça, madame, il faut quand même qu'on reconnaisse rien. Okay. Alors, par rapport à la vidéo, ma mère, le naipe, Nathalie, la vidéo, non? Namoni, en haut, je suis en train de me poser la question. Ouais, je suis en train de me poser la question, Neti Batounyonso. Est-ce que, c'est normal, et c'est permis que un prisonnier a détenu un téléphone. Na mon arabat, belé, car big boss, c'est ce big boss, on a dit. Big boy. Na mon arabat prisonnier, belé. Ah, un téléphone. Voilà. Avec un téléphone, il a pris ça. Voilà. C'est pas un trafic ou comment? Donc, place où on est, qu'on est pas conduit à cellule ou en pénitentiaire, il faut pas expliquer, si réellement un prisonnier a un droit au sein de la téléphone. Parce que moi, je trouve ça, c'est risquant. Mais pendant tout ce temps, tant ils ont moins belé. Justement. Ils ont eu le mot belé. Mais là, ils veulent pas belé dans le patonnier. C'est un mot plusieurs fois. C'est un mot belé. Il y a 300 personnes basées à Et puis, dans la live, en haut, ils ont deux événements. Vraiment, et place moi au lobby qu'il y a même une autorité dans bon temps à Congo. Les véritables coupables voilà. De vente d'organes sont à l'extérieur voilà. Et vivent alors, en toute impunité. Ce sont des déclarations moko, je pense qu'il faut bah konzi bah s'impliquer dans bah s'imprégner bah vraiment exploiter en haut. Moi je pense que les autorités si couvent la calme ça fait ça 3 jours depuis Vida et Bimi calme en haut en tout cas et ça la malamouté il fallait qu'on exploiter à propos wana qu'on peaufine encore dans ma banquette davantage qu'on est si réellement les garçons big boss et soit big boss et je sais pas moi comment ma lobby est allé à solo
tout ya solo tesu ou solo ya solo en tout cas c'est ça ça laisse à désirer. Il faut vraiment que ma coupable ma vrai coupable base elle a vraiment puni. Donc c'est en ces termes là que moi je voudrais aussi m'exprimer. Ingelo ba pété que magambouye big boss on a l'oubli mais s'il était malgré il y a une partie et l'ingipe que le batté et l'ingipe que le batté que magambouye big boss on a l'oubli na table ya bosolo eko ya kaka oh abakan bazwa ki na na masina akobi manantieli. Et les hyper lobatés qui m'agamouillent sur Big Boss à l'objet, on a les alliés à celui-là. On te signe dans ma conduite, va s'impliquer, va exploiter, va proposer, on a pour balancer davantage. Est-ce que Macambouille, Big Boss, on a l'objet, ça y a solo, toi y a le coup. C'est pourquoi il y a lieu que ba konzi ba exploiter ba proposer ba côté la mozindo pour que ba bimisa ba vérité o mba msubiso to ye ba gité to ye ba si réellement ils ont ba konzi msubaza impliqué si réellement ba condamné mo to ye ba sa non qu'il a cité si, voilà voilà donc ça ça fait oui, ça dérange ça dérange même le moral ça dérange donc il faut vraiment ba konzi ba s'impliquer dans mon couvent na calme ya boye et ça opé ça solo ya mabé voilà merci beaucoup moi la mboka Nico Fay l'insécurité à Kinshasa, dans toute la République aussi. Oui. Vous avez suivi? Mais l'insécurité sur toute l'étendue nationale, la kidnapper, c'est la mission première de l'État. La mission première des dirigeants, madame. Comme il veut. Moi, je pensais peut-être que j'ai dit cela. Il allait me recadrer par une disposition légale. Oh. Oui, madame, les droits, ce ne sont pas des humains, je le comprends. Les Mobutu, c'est leurs enfants, tout est basé sur les humains. Je pensais qu'il allait me recadrer sur des dispositions. Mais voilà, il dit que non, voilà. Il n'y a rien, chez eux, il n'y a rien de droit. Et ce n'est pas la légalité. Et c'est les humains. Moi, j'attendais qu'ils disent que non. Ouais, voilà, voici la disposition légale autorisant, donnant pouvoir. La compétence est d'attribution, madame. On est où? Quand on dit qu'on ne respecte pas les lois, et même le règlement est même. On dit que ministre actuel, il y a industrie. Assigné, arrêté. Reconnaissant monopole, exclusivité sur un produit donné, na compatriote Moko Patrick Mbikai. Mais comment expliquer là où le ministre de l'industrie actuel, je le cite, l'homme de son parti là, c'est comment? Comment il s'appelle? Aidez-moi, ministre de l'industrie, comment il y en a l'actuel? Paloukou. L'arrêté est là. Publié même dans les journaux officiels. Mais l'élé est commis. Anere lobby, conciabile lobby, monopole wana, bako pe sangona moutou mon côté. Et il faut mon amboka Patrick aya ko négocier avec un certain sujet nigérien Henri Basolanaye. Là où il y a un arrêté, il y a un ministre. Reconnaissant l'exclusivité d'un produit. Na mon amboka moko. Mais l'élo, ce n'est pas le cas en pratique. Il y a Renault, Kota Bureau Oyo, Kende Boye, entre-temps, on fait des pressions sur lui. Aya qu'on négocie na Nigérian Wana. Pour pas le Kabatouba trouver terrain d'entente, Bangonyo Sobatekak. On est où? Les documents sont là. On est où? Quand tu parles des dossiers comme ça, il faut donner des soubassements. Moi, je ne faut pas alléguer. J'étais pris juste. Tolérance. Depuis que j'ai commencé. Nico Fay, allons-y. Depuis que j'ai commencé, moi, je lis. Je dis, je donne des soubassements. Mais tu lis, tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire. Tu ne comprends pas. Tolérance, moi, l'amboka. Mais oui. Emmanuel, s'il vous plaît. Tu lis des études. On est sur l'antenne. On est plus ou moins. Oui, mon Dieu, expliquez. Mais mon Dieu, autant. Mon Dieu, autant. Tolérance, s'il vous plaît, Emmanuel. Mais on a mis ce magasin de quitter. Nico Fay, les véritables coupables de vente d'organes sont à l'extérieur madame, et vivent en insécurité sur toute l'étendue nationale. Les lots régimes Oyo et Mémé. Mais bah, imagine, Yaboué, pendant 45 minutes, Moutou Akosala. Mais je vais vous expliquer, madame. La prison centrale de Makala. Tozali n'a insécurité à tous les niveaux.
tous les insécurité routière, permis de conduire et saté. Ba cortège, mouke, cortège, mitoukawana, ils ont assuré, et tout à ma Congolais, et bon, ma Congolais, on ne peut pas les poursuivre. Insécurité alimentaire. Bah, toi, ça, la camisa, là, un paiement est comme belé. Bissika, prime, mes alki, balongoli, bah, prime, mignons. Le, n'amboujimaï. Tous les hôpitaux, il n'y a pas de, il y a presque plus des infirmiers et des personnels administratifs de santé. Un paiement. Ah, oh, hôpital de l'amour dont on parlait. Pourquoi il n'est pas opérationnel? Les prestataires ne sont jamais n'ont jamais été désintéressés. Ça fait aussi partie de l'état des droits. Madame, le travail a un caractère humanitaire. Le salaire a un caractère alimentaire. Moutsoko a lieté. Ogoye bisaye nini, maman. Insécurité, comment on a une insécurité quand on a une habitude de cité? Dans tous les domaines de la vie, il y a l'insécurité. Insécurité judiciaire. Insécurité juridique. Là où on dit, l'arrêté est là. Ministre industriel à lobby. Aperçu monopole. Aperçu exclusivité. Namwa Namboka. Patrick Mbikayi, Sukoyo, bien comme Sukoyo, va comme qu'on transige, va comme qu'on négocie, n'a pas service inférieur. Té, et cause à la bonne côté, il y a qu'on négocie, bon, qu'on signe protocole d'accord, bon, bien, on se voté caca. Ça se fait où? Ça s'appelle aussi insécurité juridique. Lélo, Aloba, R, régime Ouéye, le 24 janvier 2019. 145 territoires. Le Lotoana a combien de territoires? Insécurité. Insécurité. Bien, on va quand insécurité a dit ça, ça. Partout. Koulouna presque. Mais autre, tu côté à Koulouna, il a parlé mais tout à l'heure de Kindou. J'ai dit, c'est Congo. Le pouvoir central a une portée nationale. C'est le Congo. Otamo la Makolo, Obanga Koulouna. Banak masina mape na babenga kuna ba ola la te kuluna na kuluna. Banak masina ba kuluna na kuluna. Otambo la makolo. Obangi kuluna. Omatamoto enlèvement. Okota mutuka kidnapping. Ngamoko awa Nies Nanga, Carole Chala, a été enlevé ici sur boulevard. On a dû payer l'argent, rançon 4 000 euros et 4 000 dollars. Bah, na boulevard, 5 jours après, bah, y'a qu'au triomphal. Alors, bisika, outaki. Salmoko, mounene, moulili, makasi. Bah, tout ce qui la kiwana. Où est l'État? Qui doit te sécuriser? Qui doit le sécuriser, lui? Et rien, bah, bête, qui est là-bas, la force du progrès. Bah, bête, qui est? À quoi t'as fait un qui devait le sécuriser? Néanmoins, il a reconnu. Bah, bête, il a reconnu l'insécurité. Mais j'ai dit, mais. Bon, à reconnaître. Insécurité, moi, les lots. À reconnaître. Yé, mi beko na mi beko. On me met sous na mi beko. Mi beko. Article 16. Par condition passée au référendum. Oui, il y a manifesté en sécurité. Si vous comprenez, tu es ici. La personne humaine est sacrée. Le ta, avec grand E, a l'obligation de la respecter et de la protéger. Est-ce qu'on a dit moi? On a dit la MONUSCO? Est-ce qu'on a dit EAC? Est-ce qu'on a dit les troupes kenyanes? On a dit le ta, avec grand E. Article 52. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité. Tant sur le plan national qu'international. Qui doit apporter cette paix et la sécurité? C'est toi, c'est lui, c'est moi? C'est l'État. L'État, c'est qui? Une personne morale, mais représentée par des personnes physiques. Moi et toi, nous ne pouvons pas poser les actes en place liés à l'État. Il y a des personnes qui sont habilitées à poser. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'État doit assurer. Oui, il y a un adage qui dit. Le mensonge produit des fleurs, mais il ne produit jamais les fruits. Budget 16 milliards, Congo Airways et Zawapi. Oba Koutaki. Ah oui, hein? Digression. Ça fait,
Écoutez, lorsque les Congolais, c'est une autre forme de sécurité. Il ne comprend pas. Mais si on a comprendre d'un côté, insécurité n'a pas un seul domaine, madame. Lorsque les Congolais aujourd'hui détenteurs d'un billet ne sait pas voyager, ça s'appelle quoi? Il ne comprend pas. C'est pour cela qu'on dit, bah, débat politique, vous êtes un politologue, vous êtes un juriste. Il facilite, vous êtes un bino comme ça, une émission. Vous êtes un président de la mission. Allô, voilà. Bah, bah, politique. Bah, 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 débat. Pour que ça, bah, comprendre notion et l'état. Notion et l'état. L'état, c'est-à-dire, le service public rend des services. Lorsque les Congolais ont des billets de titres de voyage, Moutassomi bien naïe. Mais il y a une compagnie à l'état, on dit que non, tel est l'avion exaté. Moutouana siko, anambongote, akola la wapi, akola la wapi. Madame, c'est pour cela qu'on dit, moi je suis fier. J'ai étudié le sens carrefour. La science de l'état. La science du pouvoir. J'ai étudié l'état. Je l'ai pilché. Je l'ai analysé. Je l'ai décortiqué. Merci. Je l'ai déshabillé. Et je l'ai pénétré. Nico Faye, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Nico Faye, Emmanuel Chibambe. J'espère que nous allons terminer avec ce sujet parce que technique et que Salabiso déjà signe. Moi, beaucoup apprécié Mouyoko. Que nous sommes presque à la fin, mais apprécié Mouyoko a accordé Bissot quelques minutes parce que nous devons chuter avec ça. Au besoin, Père Bong, c'est la Bissot by Major par rapport à match Léopard Soudan au Ibetamaki Mokolo. Il y a samedi, Mouyoko. Wali moko ya baye bali ba cadre na kati ya UDPS que vous allez communicateur ndenge to koloba toujours pour les capé na nzela ya ifashiko et pas lisano ya ndembo e kobetama e kotala pouvoir te e kotala pe opposition te parce que wali patriote lisano ya ndembo ya lina oyo alingaka nana oyo alingaka yango te biso banso na kati ya stade. J'espère que technique est balancé biso ba image. Nous avons vu la joie ndenge et s'exprima qui et pas tout d'abord ya mokondi ya mboka. Nous avons vu aussi la joie na public nyonso o azalaki bato banso bazalaki na kati ya stade de martyr tomoni pe et pas ya mokondi ya mboka penza apesi bisou ba ko benga yango bisou ya mokondi apesi na mama. Mais na souka ya match après le départ du chef de l'État, situation est bébaki na kati ya stade. Sikoyo stade s'il faut dire eza homologué ti. Ba casse o nyonso. Wati la biso pena ba image et o bazoko ki ma même na babilo nyonso yo ba bongisa ki pona stade yango na ba image yango na j'espère que Chibambo ko komona ba casse désordre ya boye. Na ebite ali kuluna ya lika ka ba supporter nde mbakitaki police aki wapi on ne comprend presque pas na situation ya boye mwana mboka. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je pense que mutuna otuni ndeko Nico Faye par rapport à ba vidéo ze ko tambola ya ba big boss tout ça moni ataki incapable de répondre. Insécurité généralisée. Il a navigué comme ça à vue tout ça. Au sortir de l'émission Nico Faye, bato balandi ou ba retenir ni na yo. Et l'orote. Kosangi sa ba sujet, boye, tout ça. Mais question un journaliste a posé pour au répondre, tu as eu difficile. Insécurité généralisée, tolérance, hein, Nico Faye. Tolérance, vous aurez vos 5 minutes. Tu as eu difficile de répondre. Même ba note na yo yena ngwana, ba loa ba ni na yo yena yo wana. Aux autant, je comprends rien. Ndenge ba se qualifié pour la Coupe d'Afrique au Ebeta Manamwa de janvier na Côte d'Ivoire. Je suis aussi un sportif, nazaye na stade na sepela mingi. Heureusement pour moi, na bimé na stade 5 minutes avant fin un match. Okay. Ah, parce que il fallait quand même protéger pe maman comme ko tchanga moi pression, tout ça, to bima, bon, na préféré na bima un peu plus tôt. Na bima ki
même si sortir comme un peu difficile parce que mon konzambo a zayen on a quatre stades et puis navana qui moi pembe ni la place y a vanaki hein mais même musika mingité mais en tout cas j'avais trouvé issue à Robima et à Nignoala. Alors Babylon on se lécani oyo na au monde on a les réseaux sociaux na au monde après. Après oui tant on a signé déjà parce que ça s'est passé aussi juste après oui tant on a signé déjà mais fait comment pour la République en tout cas moi j'ai ici moi j'ai retenu comment moi j'ai retenu bon le Soudan a porté plainte. C'est normal, c'est de leur droit de reporter plainte. Il y a des plaintes, il y a peut-être pour le préjudice causé. Et il y a été que la RDC va point parce que la RDC a mérité sa qualification. Il a gagné sur tapis vert. Tu as gagné sur tapis vert, tu as gagné match où tu as bien licite. Il y a bien normal. Donc je ne pense pas que Soudan a porté plainte pour que va disqualifier RDC. Plein de peut-être prendre un préjudice causé ou tout ça que déplorer. Il y a eu casse. Il y a eu casse, il y a eu envahissement, il y a zone l'air de jeu. Aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas de précision. Okay. Dans la télé, on a mis dans les réseaux sociaux, même la TV ou la télé, on a mis dans les réseaux sociaux, TikTok et les autres. Et je déplore ça, mais seulement, je voulais aussi demander à Konzia Service, à Konzia Sécurité, à Megako renforcer sécurité. Parce que c'est ce que moi j'ai vécu aussi l'autre fois dans le stade. En tout cas, la sécurité, c'est à la hauteur T. Moi, je croyais qu'avec. Et là, monsieur, et comme vous signez un organisateur, hein, bateau et c'était à la police nationale congolaise de faire la sécurité ou bien agent en sécurité comme Bamba. Bon, moi, j'ai vu trois services au stade. Bon, c'est vrai que la GR, ils ont a beaucoup plus pour la présence à Mokonzambo. Mais en tout cas, je peux noter deux services dans le stade. Dans mon avis, police nationale, la stade, quand j'ai eu accès à la case enceinte de la stade, à l'entrée sur le stade, dans mon avis, tu as servi de sécurité, tout ressort. Donc, s'il faut s'en prendre, moi, je m'en prendrai, na bateau qui commis la sécurité, la stade de Mokolana, notamment la police nationale. Mais n'a pas son police azate, air désordre et colère. Voilà, voilà. Si vous suivez ça dans les réseaux sociaux. Oui, voilà. La police est basée à Timboka. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je confirme. N'a qu'à tia stade. En tout cas, je n'ai pas vraiment observé une présence policière. Non. En tout cas, n'a qu'à tia stade. Est-ce que CAF d'abord a autorisé qu'il y ait présence policière bon, c'est aussi une question. Si la CAF n'avait pas autorisé qu'il y ait une présence policière dans le stade, mais on devait y avoir des stewards, hein, stadiers. Soit la sécurité, il n'y en avait pas. Sécurité, on a une monnaie qui est aux alentours, place pour qu'on d'abord, avant d'aller officiel, il y a Moka, tout ça. Alors, sur ce point-là, moi, je pense que les organisateurs ont failli. Et puis, deuxième fait, deuxième fait, il y en a déploré, et ça, débordement au Isalamaki. Maman, l'on a vu ce qui n'a pas mon panisang. Moi, mon kata, non, ça, la moté, mais moi, ma kila, on est allé. N'a continué à stade, n'a mon stade plein. D'ailleurs, même moi, j'ai failli manquer de la place. N'a continué à stade, n'a 16h, c'était des acquis plein. Débordé. Mais la Bimi Libanda, j'ai vu des gens avec des billets. Au Pébako Lukabakota. Là, il y a un problème. Vente et salamaki. Automatiquement. Non, mais ça. Nous apprenons qu'il y a une entreprise où t'es qui bien, en non? Cas, entreprise où, voilà, il faut. En tout cas, il doit y avoir une enquête. Parce que. Justement, donc, on a le bas. Comment peut-on expliquer que Nakati stade qui est déjà. Batouatoni. Mais dans Libanda, toute une foultitude de gens avec leurs billets. J'ai vu. Bouye, Namouni, Batouma, billet. Ça ne peut pas s'expliquer. J'estime que le stade des Indes a contenance, il y a 120, il y a 80 000 places assises. Nakaf, donc, il aurait fallu qu'il y ait 80 000 billets imprimés. S'il y avait 80 000 billets imprimés, ça veut dire que Batounion, 60 000 billets, on a trouvé place dans un stade. Mais
au plus cas de 100 000 personnes. Y a, voilà, c'est là où maintenant on doit maintenant enquêter. D'abord, organisateur, comment ça s'est passé pour que Togo Matine à niveau là. Moi, j'ai vu des gens qui déploraient du fait que Azana Bilié. Il fallait que le ministre Elissou soit Sololana, voilà, la commissaire Yamat. Donc, voilà. Donc, Babiloko Wana, ça n'honore pas la République. Bah, pour parler Wana, le match devait commencer normalement à 17h et bah, puis connaître sous retard. Voilà, Bazaki, na organisation y a match Wana, Konzamboka, Bazaki, na circuit Wana. Il faut passer à la Makamoumalam parce que Bavura Bongo, ça n'aide pas la République et puis ça au dernier match en Boka. Et puis, qu'on lance un message, na Bandego, nous sommes passés des ordres l'autre fois, après le match, t'as évité, t'as gagné un match normal, pourquoi faut quitter la RDG? Pour non, qu'on nous ça casse, que ça destruction méchante d'un niveau là. Moi je pense que ça acte mort à déplorer et il fallait que même si juste que c'était quoi à tabino de Bozala qui donc c'est d'qui c'était moi, quoi moi, vraiment moi je ne sais pas le désordre salamaki après je ne sais pas même moi je me suis posé la question qu'on gagne ou gagne non, normalement naturellement et pourquoi après c'est ça justement je me pose la question il fallait normalement bah celui de sécurité bon j'ai appris aussi que quand il y a un bon nombre de gens bah à niveau à Gémi j'ai appris. Je pense que bah on interroge bah on va y bah peut-être qu'il y aura des sanctions hein, voilà, il doit d'abord ici sur le plan interne il doit y avoir des sanctions na bah tout le monde se trouve à la base il y a Elo Kwana et à la CAF tu as des zalaka qu'on envahir RDG en tout cas leur bongo CAF à se ranarater donc nous devons nous attendre à des sanctions de la part de la CAF voilà sûrement c'est indéniable mais tu es bien que tu sois qualifié tu gagnes sur tapis vert. Sur ce point, je pense qu'il n'y a pas à contester. Ce bandeau baro fou d'abisso, bandeau baro fou d'abisso, peut-être pour un dégât, un préjudice causé après le 90 minutes, il y a match. Sur les acquis, il y a match et que minute est sélectée. Alors là, peut-être on aurait dû, comme on a été, tout rose à la dicama, mais match est sélectée normalement. Tu gagnes bango. Et à la RTNC, image avec Babi bah, Moussous, bah, mon agité. Ça aussi, c'est un gros problème. Bah, quand la RTNC, bah, lobby, bah, s'expliquer, bah, lobby était. Kati, on y en sort. Eh, n'a pas lobby était retransmission, les acquis RTNC, t'aimes pas ça, là, qui en les acquis maison, mon robot, et tout ça, d'abord, t'en as comment la publicité. Donc, la faute, c'est qu'on incombe dans la maison, on a, CAF, à Yokana qui. Mais maintenant, qui est responsable dans tout ça? Faute à ou à faute d'organisation, faute de diffusion, la RTNC, non, on est, on est, mais il va quand même donner son point de vue. Oui, point de vue naé et vous allez toujours. C'est qui le responsable? Point de vue naé. Parce que s'il faut négocier encore. La question c'est un point de vue naé et vous allez beaucoup plus pour incriminer l'autorité à Mboka. Mamba les Arabes. Au moins dit match, il y a match, il y a CAF, il y a Confédération Africaine de Football. Toutes les décisions ou toutes les démarches, madame, c'est tout et Salamaki Wana. C'est à la CAF même dans Salaki. CAF même dans Salaki, Maramounio, surtout Mounaki, voilà. Même qu'on décalait, bah, tout ça, bonambo, tout, c'est la CAF. Ça n'implique nullement la Fédération Congolaise ou Abisso Awa. En conclusion, on doit terminer. Bah, dispositif, nous sommes qui, voilà. Retransmission, il y a match. Heure, il y a match. Consigne, nous sommes du personnel qui en a, c'est, et où t'as qui n'a niveau, il y a CAF. Et où est le niveau de la Confédération africaine et où est le niveau de la Confédération des ordres et puis ça image ligne pour la République. Donc ça veut dire que Babilo quand se tout il faut toi bah CAF mobile mobile à CAF pourquoi couper sa retransmission dans maison Mogo la publicité tout ça pourquoi ne pas donner directement à la RTNC. Donc blanc se faut toi bah après tant banquer des salles pour que bah on a sauvé verdict à Maramoné les canaux normalement. Mais je souligne encore si je martèle. Canal Plus paye, il fallait payer à soi retransmission, paye pas à maison à la production. Ça, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que la CAF avait, non, autant comme maison, sauf Bobo, il était pour la publicité. Moi, ce que je sais, que la CAF avait donné l'exclusivité dans la maison à publicité, dans la retransmission à match. C'est ce que moi, je sais. Et puis, ils avaient beaucoup, parce que juste après le lendemain, dans l'Anda qui secrétaire général à FECOFA, que tout qui a aussi confirmé que pourquoi ne pas donner carrément à la RTNC. C'est ça maintenant la question on se pose, pourquoi ne pas donner directement à la RTNC. Match Belleto là dans la RTNC, match à Léopard et le secrétaire général de la Fédération Congolais de Football, Innocent Kibundul, l'en a confirmé. Donc maintenant le baoyo, secrétaire général il y a CAF à l'oba qui rentre dans une radio dans une à top Congo pour ne pas citer que le baité la CAF a payé sa retransmission match dans maison moi la publicité Chris Production. Et non, tout le monde voilà, c'est la maison Chris, voilà, comme Yotangi, c'est la maison Chris Production Nemoutou. Alors il charge voilà, c'est la maison Chris Production Nemoutou. Alors il a charge de retransmettre
Maya au diffusé match voilà et non la RTNC. Pourquoi pas la RTNC directement? Donc là la question faut poser ça à la CAF. Ouais, bah, pourquoi pas la RTNC directement? Voilà, merci beaucoup. On termine avec vous, Nico Faye. Pourquoi le stade n'est pas homologué? Vous avez répondu? Je peux? Bon. S'il vous plaît. Non, mais je peux. Je peux répondre. Moi, je t'ai dit que Magambo Yabatoura est à la prison et ça a une sécurité généralisée. Pourtant, il fallait que je te dise quoi? Nico, quand on dit insécurité généralisée, c'est quoi? Nico, aujourd'hui, si, si, tolérance. On dit que la solution est généralisée, il ne comprend pas. Lorsque l'insécurité est généralisée à tous les niveaux. Nautiku Tourbano, Namakolo, Kuluna, Moto, enlèvement, Mutuka, kidnapping. Tu n'as pas compris? Il fallait que je te dise quoi? Qui est sécurisé ici aujourd'hui au Congo, Lilo? Qui est sécurisé? Qui est sécurisé aujourd'hui? Lorsqu'on va prendre quelqu'un dans la cour constitutionnelle, sans qu'il y ait même des caméras, vous voulez nous dire quoi? Qui est sécurisé? S'il y avait des caméras qu'ils avaient détruites l'autre fois, peut-être ces débats ne seraient pas posés à Chérubin. Pourquoi les caméras, il n'y en avait pas? Bien qu'aujourd'hui, on a commis qu'on place ma caméra dans la cour constitutionnelle. Vous ne savez pas? Non! Je dis, aujourd'hui, tout le monde est en insécurité. Il faut qu'autant nombre, il y a des victimes, il y a Koulouna, il y a qui ça, ça. Nombre, il y a victimes, il y a Koulouna, il y a qui ça, ça. Lorsque je dis que non, ce qui va conducteur, va permettre les insécurités routières, lui ne comprend pas ça. Ceux qui m'ont assalé, vous savez, vous foutiez tes. Ils appellent insécurité. Il ne comprend pas. Insécurité judiciaire. Bah, région judiciaire, ils côté Kama. Netingouba. On donne la région judiciaire au plus haut front. Lui ne comprend pas ça. La question majeure que tu lui as posée, pourquoi le stade ne sont pas homologués? Il n'a pas répondu. Comment expliquer aux Congolais? Budget 5 milliards. Finale Awa, Coupe d'Afrique Champions League. Vita Betina Stade Tata Raphaël Awa. Finale Awa, Nakalamu. Champions League, budget 5 milliards. Budget 5 milliards, tous les stades étaient homologués. Et à la Martyr, et à la 20 mai. Mais il y en a 16 milliards, aucun stade homologué. Ma Congolais. Si qu'on casse, il y a Boyon fait quoi? J'en arrive, non? Parce que tout le monde est mort et le Congolais n'a pas si. Tout le monde est ministre, oh, y'a Yessika. Oh, félicitations, stade homologué. Quel est le stade qui est homologué? Moi, je n'ai pas fiché, je n'ai pas panneau, wana. Et le coca qui est foutu à ma fonctionnaire, mon sou. Bah, en genre, je n'ai pas foutu à ma tête. Mais, moi, je n'ai pas fait sa banderole, je n'ai pas fait sa panneau, mon nez, oh, félicitations, stade homologué. Au moment où le stade n'est même pas homologué. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça sérieux? S'il y a eu perturbation à la fin du match, c'est parce que la sécurité n'était pas à la hauteur. Le Soudan maintenant nous porte plainte. Donc c'est comment? Mais oui, vous écoutez, si vous êtes léger, vous êtes léger. Attention, tout le monde n'est pas léger dans la prise de décision. Tout le monde n'est pas léger dans la prise de décision. Vous devez être conséquent. Vous demandez aux policiers. Quel est ce policier qui a le moral, qui n'a pas de tenue? On a motivé un déni. Vous prenez 280 000 francs congolais. Le dollar yango yo awa, ce qui 258. Mais foutu moutou 240 000. Non, ça c'est rien. Moutou a la conscience à Moussa s'il est motivé. Est-ce que les policiers sont-ils motivés pour prendre les risques? Salaire. Mais quand même, Tshibambe a bien dit que à mon acquis dispositif, il y a un policier qui est dans le stade, non? Je dis ceci. Je dis ceci. Moutoko, c'est la passerelle a été réquisitionnée. C'est un service commandé. Yo, on vient, c'est un service commandé. Mais quel est le moral de ces policiers-là?
Kenny Ezate. Oh, papa, c'est la digression. Non! Écoutez, si toi tu ne sais pas, les militaires américains combattent pourquoi? Si tu ne sais pas, parce que vous n'êtes limité qu'ici. Les militaires américains sont motivés pourquoi? Parce qu'ils sont super motivés. Ils sont hyper motivés. George Bush, quand il a accepté d'envoyer l'armée américaine en Irak, de 6 000 à 12 000 dollars, c'était pourquoi? Pour les motiver. On fait comment, moi, on fait comment? Que l'État prenne ses objets? Soudan, France, l'Inde. Non. Casse partout. Oui, s'il y a des casses. Oui, attention. Il y a une organisation forte la plus au monde. C'est la FIFA. Nous avons peur des sanctions administratives. La FIFA, c'est la seule organisation mondiale la plus forte. Ça veut dire? Dans ses décisions, dans ses choix, ne souffre pas d'exécution. Oui, ça veut dire? C'est-à-dire, s'il arrivait que CAF, FIFA, base la décision à l'encontre et à Congo, j'ai dit ceci. C'est bon, s'il vous plaît. Attendez qu'il donne la réponse. J'ai dit ceci. Emmanuel, c'est la réponse. S'il arrivait que CAF ou bien FIFA base la décision contre Congo, ces décisions-là ne souffriront d'aucune faille. Elles seront exécutoires. C'est ça. Il dit pas de foot. Il parle de foot. Il parle de foot. Mouini à Congo. Il parle de foot. Pour ton information, tu t'es prêt. Est-ce que les incidents sont produits post-apollo? Sanctions, c'est quoi? Les sanctions peuvent être pépinières, non? Il peut y avoir les amendes, c'est pas une sanction? On a Mouina Congo. CAF a parlé de 50 000. Mais j'ai dit ceci. Il y a eu un débordement total. Oui, écoutez. C'est pour cela que je dis, Makamaba débat. Boutique, elle va initier. Qu'est-ce que lui entend par sanction? Initier, donc on va même pas expliquer en bâtard. Je dis, qu'est-ce qu'il entend par sanction? Emmanuel Tolérance. La sanction peut être financière, non? Les amendes, c'est quoi? C'est pas une sanction? Voilà comment? Mais non, c'est pas comme ça. Pour lui, la sanction, c'est quoi? Annulation à score? Non! Si on décidait de l'annulation à score, c'est une sanction. Si on décidait aussi à Yabaman, c'est une sanction. Mais qu'est-ce qu'il va me faire quoi? Il parle à un chevronné. Moi, à l'âge de 21 ans, j'étais secrétaire sportif du club AS Bantou. Pour ton information. Mais tu ne maîtrises pas. Tu as compris? Mais tu ne maîtrises pas. Toi, tu connais les 7 tours de sport? Tu maîtrises tu parles pas. Tu parles à Mdiaka. Nazamoun Tozamani. Tu ne maîtrises pas. Nazamoun Tozamani. Nazamoun Tozamani. Quand tu viens devant ta femme, Nazamoun Kale dans ma gamounion. Quand on parle de sanctions, la sanction peut être pénale, la sanction peut être financière, la sanction peut être administrative, la sanction peut être à tous les niveaux. J'ai dit ici. Mais cette négociation, commissaire Yamatch, Aboy Machibetama, après il y a une négociation, nous avons vu le ministre et à sport, à qui qu'on négociait, le match devait commencer à 17h, et bandit quelques heures après. Mais c'est ça que je dis. Le mensonge ne produit pas le fruit, les mensonges ne produisent que le flair. L'okouté est un ambokaté. Jusqu'à la preuve du contraire, aucun stade de l'État congolais n'est homologué. D'abord ça. Contrairement à ma fiche, à ma banderole, au Bosa Komuna Wana. Soko Koti Stade des Martyrs. Soko Koti Stade Tata Raphaël. Maman au Kolela. Bon, moi, le maquillage, nous sommes au Muna Wana. T'es? Bon, Kolela. L'Okuta. Tata Stade des Martyrs. L'Okuta. Après l'émission. Ah, s'il te plaît. L'Okuta. Kendotala. Kendotala. Kalite, on y a ce que vous voulez, la France. Maman, Ezali. Maman, Kalite, on y a ce que vous voulez. La Kota, il s'est ça vous permet d'en avoir madame, qui a la parole? Qui a la parole? N'avez pas de téléphone. Monsieur Mouyoko Balancier, voilà. Major, vous parlez à quelqu'un qui maîtrise bien les lois sportives. Quand on dit que non, viabilité d'un stade, madame, ça ne se limite pas seulement à l'ère des jeux. Vous comprenez? Les lots où le CAF a commis critère Bakisami. Il faut battre vestiaire moko ti et comme ti na pelouse pour la sécurité y a vas joueur. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Critère ezali ko Bakisama. Il faut se moderniser. Les lots vestiaire y a vas joueur pour la sécurité na bango. Il faut vestiaire moko ils a couvert qui presque RDG. Vous le savez? Vous avez ça ici? Kendo ta la kaka.
état y a ba porte na salle des martyrs na salon d'honneur au salon ba komi ballon d'or restaurant ballon d'or kendo ta l'état ba porte ya ba ben kendo ta l'état ba porte o ba somi cadena o ya 3000 francs serrure ezate poignée ezate dans un stade homologué madame vous jouez hein. Est-ce qu'on est dans le stade des martyrs? Les portes de ce salon-là n'ont pas de poignées, n'ont pas de serrures. Bacha Bakadena a 2000 francs congolais. C'est ça? On madame, qualité à stade, et Zali Kosu qui est la caca à terrain T. Bah, vestiaire. Qualité à vestiaire. Toilettes. C'est-à-dire, hein, condition et Zali est belé. Il a qu'à condition mon côté. Et le condition, mon Zali que non. Vestiaire, il y a bas joueur. C'est-à-dire, ceux qui jouent à Bimina Vessière, qui avant côté terrain, à la couvert pour la sécurité des athlètes. Vous le savez ça? La qualité est là. Ça, mais oh, c'est ça que je dis. Ça, c'est le terrain, madame. Mmh. La CAF n'a pas si peur que ça. Allez dans le Vessière. Je dis ceci. Bala qui Sabino, ceux qui jouent à Bimina Vessière. Alors, comme on a un deuxième délire. Mais au moins, président de la République, on se va jouer dans la Vessière. Mais non, je dis ceci. Mmh. Pourquoi si vous contactez les gens, on doit finir. Il n'y a pas de problème. Il y a un débat qui va initier. Joueur, ce qui a mis la vestiaire. Il faut avoir la couvert. Qui n'a RDG? Vous avez ça ici? Ça, c'est l'Iziba Mayele. La qualité de signal. La qualité de signal. Écoutez, madame, je dis ceci. Qualité moussous ou ma monité. Mais écoutez, mais lorsque tout est fait à la va-vite, madame, basta douana, chante dans toutes les stations dans quel état? Allez voir! Bima, t'as la stade de ta Raphaël ou Anna, maman. A vu, entrer, sortir sur la côté à Kaouka. Et Zandérénine. La route n'est même pas praticable. Comment on peut apprécier, maman? Vous avez fait des choses à la va-vite. Quel instant de martyr? Il y a de ces locaux-là, il y a encore du ciment partout. Mais on est touché. Touché retransmission en direct. Ça dépend, Yamoutou Oyo. Je ne connais pas la nature. Il y a contrat. Oh, bah, signaki. Mais le comble est que dans beaucoup de choses comme ça, il se passe toujours, ma Kambouya, bah, commission et consort. Mais je n'aimerais pas émettre un point de vue. Parce que, n'aibi teneur, n'aibi contenu, il y a clause, il y a contrat na bangote. Mais néanmoins, nous peuple, nous téléspectateurs, nous n'avons pas besoin de koyeba ke no boye na boye. Nous téléspectateurs, nous avons besoin de la vraie qualité. Voilà. Faut il y a faut de qualité, nous comptons combien? Merci. Tibambo lingolo ba suni to si. Ngenge na yebi sabatu. Ye mutami beti tolo lizi ba maele. Ouais. Alors yebi sabatu ake. Ayebi 7 lois sportives. 17! Au changer. 17! Au changer. J'ai 17 lois! Papa, s'il vous plaît. Au changer. 17 lois sportives! Au changer. Oh. Papa. Vous avez fini? Il y a 17 lois sportives. Il n'y a pas 7 lois sportives. Mais j'ai 17 tout le temps. Vous avez fini? 17 lois sportives! Ça veut dire quoi? Qui est Elisiba Maël? Ah! Attends, la carte au bon. Il n'y a pas 7 lois. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Je suis un peu plus de temps.
c'est ça. Surtout pas. On oublie c'est ça. Mets ta porte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh papa. Voilà. Donc désormais, il y a agent public à l'État où vous allez assujettir la sensa en cas d'accident. Et Sengeli, Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence à sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tomber ou bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque. Risque Zali, maladie professionnelle. Donc beaucoup ont eu aujourd'hui dans Zela Moussala Nay. Et accident de travail, Zali, les kama ont eu aujourd'hui dans Moussala, ton dans Zela Moussala. Yango anande babengi risque professionnel. Na Congo, bah comment vous foutez risque? Ah, fonctionnaire à l'État, y'a l'élo, na Congo, azali sous montant ma wate. Yo, par exemple, na déclaration déjà dans le délai. Voilà. Donc, pour na bola mouyaba, agent public de l'État, n'est-ce vous allez avoir? Tata mon conseil à l'école, Fati Béton, Nanzela y'a Sensa. En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, non seulement bah, foutre, mais aussi à cause de charge de soins médicaux, à cause de payer indemnité journalière, bongo ya rente topé allocation d'incapacité, mais en cas de livre, à cause de frais funéraires, mais rente des survivants. Maman n'engage tout bongi. Et ce n'est pas tout. Yo agent public de l'État. Ce qui osa la mission de service topé mutation. Ce que les kama et quoi liokuna, eh bien, ils ont considéré le coup l'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, pas qu'on fout d'ailleurs. Ayuna, nga mou kongwele banga kala. Gola mou fana neki zelibaye. Na sa tete. Na korezi à l'état. Nga koutou. Na gono baten. Chef, ou kon kou fout d'ailleurs kaka ta sikoy. Mais il y a le bâtiment qui n'a pas l'envie. Oh! Tu as qu'est-ce? Donc, dans ce sap, tous solidaires, tous bénéficiaires! Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.